Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans le kiosque. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll, time to the time to rock to the DMD. Je me suis dans la tête. Mais je te laisse aller, Marco, vas-y. C'est oh yes. Et on se parle le casque, épisode 221, 22, je sais pas, moi. Il va être écrit, anyway. Ouais, à chaque fois, je vous reprends, mais à un moment donné, tu sais, ça, quelqu'un pourrait dire c'est l'épisode 102, je serais comme, ouais. Ah ouais, I guess. T'as passé une belle semaine, guys? Ouais. Vas-y, ça a l'air d'être rempli de mélancolie. Non, j'ai pas le goût d'en parler. T'as pas le goût? Ah, vas-y, parle-en. On est là pour toi. Non, là. J'ai pas le goût d'en parler. Parle-en, tabarnak! Moi, je serais ce type de psy-là. Vas-y, je vais pas t'écouter. Parle. Oh, je suis pas sûr. Ah ouais, tabarnak! Hey, tabarnak, sais-tu combien tu me payes de l'heure, mon asti? Yes. Arrête de pas être difficile. Je peux peut-être pas prescrire, mais je peux t'en colisser rien qu'une, tabarnak. Non, bonne semaine, je suis en vacances, asti. Ça va bien. En vacances? Oh, ouais. Oh, Chris. En bon vacances, ça. Une semaine. Beau temps pour GF, prendre des vacances, il y a tellement plein d'affaires à faire. Ben ouais. Tu vas être malade. On va jouer à Top vous. Spin avec GF. Oh shit. Le pire, c'est que j'ai une deuxième carrière là, dans ma tête, mon nom. Parce que tu sais, ceux qui ont suivi cette saga-là. Ah oui, les gens m'en parlent là, toutes les semaines. Ben oui, Chris, mais spin. Mon joueur avait comme été placé en retraite. Hein, le joueur qui s'appelait GF. Hein, puis là, il y avait une autre carrière de partie qui s'appelait Kirim. En hommage à mon ami Karim, que lui, il avait parti ça. Il y a peut-être 10 ans là, sur mon Xbox. Fait que là, je l'ai repris, puis dans ma tête, mon joueur, c'est comme son coach. C'est pour ça qu'il est devenu super bon rapidement. Mais je ne suis pas encore numéro 1 mondial. Mais je ne suis pas aussi assidu. Mais je suis encore une brute. S'il y a des compétitions de tout ça, honnêtement, je suis sûr que je suis peut-être parmi les meilleurs au monde. Ouais, ben, moi, tu peux aussi jouer online. Tu peux essayer de jouer online. En général, ça donne le ton un peu, là. Ouais, parce que je faisais ça sur Fight Night, là. Genre, ça allait fucking bien, tu sais. Je jouais contre les ordis à Greatest of All Time. Je les battais toutes, ça allait fucking bien. Je me suis dit, écoute, c'est sûr, si je vais online, je vais être dangereux, là. Moi, hostie, je vais tuer tout le monde. Finalement, non. Ça va c'est, je suis pas tant bon que ça. Je pense que Top Spin 2, ça existe même pas online. Ah ouais? Ça doit être un autre, là. Genre Top Spin 3, mais ça, je sais pas. Ah, mais il s'en vient, là. Il y a le 5 qui va sortir, là, sur Xbox Series X, pis tout, là. Ça s'en vient. Tu vas voir, là, les ports de peau, toi, esti. C'était cœur, hein. Toute vois... ouverte. Hey, la balle, là, a l'air vraie, là. Ça sent la saucisse. Ah, mais le pire, Top Spin 5 est sorti, puis je viens de voir un article qui marquait « What happened to Top Spin 5? » Fait que je me dis, ça devait être de la merde. Ouais, non, le 2 était dur à battre. Ben mais oui. le pire, c'est que c'est vrai que le 2 était dur à battre. Niveau, le jeu, le tennis en soi, c'était assez on point. C'était ouais. Pas trop compliqué, il n'y avait pas trop de flafla. Y a-tu des hardcore fans de jeux de tennis, genre, qui sont comme Tom Spin 2, si t'as jamais battu, ça, là? Là. Je sais pas. Ah ouais, je pense que le plus hardcore fan au monde, je pense que c'est moi. Puis j'essaie de ramener du monde. Mais à chaque fois que j'ai joué contre quelqu'un à ça, contre beaucoup de monde quand même, c'est la première fois qu'il jouait à ça. Ouais. Je pense que je suis le meilleur au monde parce que le jeu est pas si populaire. Ouais. Je pense que t'aurais de la compétition de genre, vous feriez un tournoi, ça serait tout le temps les mêmes 4 personnes. Ouais. Oh, ouais, ouais. C'est clair. C'est ouais. Ça. D'après moi, le. Ouais, juste deux. Moi, un sociopathe, puis quelqu'un qui a genre une Xbox en prison. Ça... et ce jeu-là, puis lui, c'est le meilleur. Il est à 360, genre? Ouais, mais à la base, c'était sur le Xbox normal. Ils ont refait une édition pour le 360 avec okay. Les graphiques un petit peu retouchés, puis c'est un petit peu plus fluide. Là. OK. Ça a l'attrait d'un jeu de poker sur Xbox 360. Ça doit avoir les mêmes ventes ou un peu moins.
Ça, c'est mon, mon guess à moi. Ben oui. Mais cela dit, ça peut être très bon pareil. Là. Il y a des jeux un peu... Ah, d'ailleurs, Asti, c'est drôle qu'on parle de jeux de tennis. Hier, j'ai acheté Super Mario... Mario Superstar Tennis sur nice. GameCube. Fait que, maintenant... ouais, t'es bon, celui-là. Je crois que c'était comme un des meilleurs. Pour ouais. Parce qu'ils l'ont ressorti sur la Switch, mais il est vraiment moins cool. Genre, je sais pas, il y a moins de power, puis d'affaires de même. Là, il est ouais. plus comme le premier. Ouais, là, dans, en tout cas, au GameCube, il y a un Nintendo 64 qui existe aussi, là. Ouais. Mais au GameCube, moi, je trouvais que c'était comme un classique de la console, un peu. Fait que je suis content de l'avoir. Ouais. Je me rappelle quand c'est sorti Mario Tennis, c'était hot. Hein. C'était. Ouais, c'est pas vrai, un game changer dans, le, dans l'univers de Mario, non. Mais je me rappelle que ça, un moment donné, ça, plein de monde jouait à ça. C'est ah ouais. Hot, ouais. Non, vous ouais, rappelez-vous, absolument. Il y a déjà eu un Mario Soccer. Ouais, Mario... ça, ouais, ça, oh, ça s'appelait oui. Mario Striker. Man, ça, si c'est vraiment un des jeux de Mario qui est le moins vendu de l'histoire, là, pour eux. Là. C'était un des. Il était vraiment le fun. Ouais, cool. Il était vraiment le fun, par exemple. Pour vrai, là, genre, si je le retrouve, c'est sûr que je me l'achète. Parce, au, il l'avait au GameCube, là, si je me rappelle bien. Mario Super Mario Striker, ça s'appelait. Fait que, ouais, ouais, si je le trouve, c'est sûr que je l'achète. C'était insane. Parce qu'il y avait aussi un FIFA Street qui a l'air plus nice, un peu. Là. Ah! Ouais, c'était cool aussi, mais les jeux de FIFA. Je l'ai jamais tant trippé. Puis j'étais comme juste assez à chier pour comme devenir bon. Je sais pas si tu pognes cette zone-là. Là, tu sais, contre quelqu'un qui est super bon, qui a plein de techniques, puis moi qui fais juste plein de jambettes. Fait que, ouais. Je pogne des cartons, mais des fois, je pogne le ballon, puis je suis bon pour faire plein de passes inutiles, puis je sais qui est fort. Fait qu'à un moment donné, j'ai déjà pété du monde qu'il était, ben, t'sais, il était vraiment bon. Au jeu, là, mais comme gamer de salon. Mais moi, je suis pourri. Hein. Ah ouais? Genre, je les ai battus une fois, j'ai bragué pendant 10 ans. Ça, c'est genre, eux autres étaient bons contre des ordi, puis c'était l'équivalent d'aller online une fois. Là, genre, ouais, mais je suis pas bon. Ah ouais, je okay. sais pas jouer. Je sais pas jouer. j'essaye des affaires. Fait que mon dieu, la zone de genre, tu sais jouer, mais t'es pas bon, il y a une zone qui peut être nice. Parce que ouais. essayer des trucs que quand t'es bon, tu fais pas ça. Tu as ouais, une ouais. idée de ta stratégie. Ouais. C'est comme un NHL. Là, le dude, c'est juste trop violent qui plaque tout le monde, qui ah, se ouais. met à se battre quand la rondelle ah, est oui, pas oui. droppée. Aussitôt qu'il y a l'option, il clique dessus, tu boutons pour se battre. Là, il y a genre 8 personnes sur le banc. Il y a qu'il n'y a plus personne qui se bat online. Je joue à NHL online en ce moment. Puis genre, ça arrive des fois que l'autre fait son esti de baveur. Puis là, j'essaie de dropper les gants. Il n'y a personne qui droppe presque jamais les gants. Où s'en va le génération hockey. De faibles, d'accord, Lys. Ça s'en va. Ouais. J'étais fier, quand vous êtes venu à GHB, j'étais super fier de mon bit sur la violence dans le sport. Ouais, c'était bon. Non, je pense ouais. que je vais le retravailler, ça. Parce que c'est vrai qu'il y a juste au hockey que c'est 100% accepté. le débat, en fait, c'est OK, là, ceux qui ont 16 ans, ils devraient peut-être pas se battre. Dans certaines ligues, ils ouais, mettent, je sais pas, dans la NHL, là, mais dans certaines ligues, ils mettaient des tunes, genre, pendant qu'il y a un fight qui part. Ils mettent là, une oh, tune, ouais. tu sais, comme de break, là, tu sais, entre les face-offs. Puis genre, je suis comme, calice, le gars, si genre, ça, si vous et tenez, maintenant, le show de la mi-temps. Ben, ça a l'air de ça, là, tu sais, c'est genre. Ben oui, c'est accepté, oh, oui. Mais je peux comprendre le pourquoi, là, tu sais, c'est comme pour éviter. Ben, tu sais, pas tant, là, mais c'est comme pour éviter que le monde se fasse des coups trop chiens quand ouais. tu sais que t'en as un qui peut t'en crisser une, ça aille, mais ouais, tu sais, ouais. dans tous les sports, c'est un peu ça, là. Mais tu sais, personne, ouais. dans aucun autre sport, dans le jeu, tu peux te battre. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas jouer tout le monde. À NBA, hey, pas genre, oh, t'as ouais, c'est ça. Là, tout le monde s'espace. Hey, retirez-vous, laissez-le la place. Ils se ouais, battent. Ça. Mais ça peut être legit. C'est ça l'affaire. Au hockey, genre, il n'y a pas d'autre sport non plus où est-ce que tu es genre pas dans une machine comme un char ou une moto, whatever, puis tu vas à 50 km/h. Tu sais, genre, tu es sur patin, tu vas vite en tabarnak. Fait que je veux dire, ouais. Ça doit être pas mal plus dangereux quand il y en a un qui s'énerve et qui commence à bûcher ses autres aussi. Là. Peut-être qu'il y a ah oui. cet élément-là aussi. Là. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Moi, il y en a bien qui sont contre, qui sont comme Chris. Moi, j'écoute du hockey. Si je veux écouter de la boxe, ça va être de la boxe. Moi, je trouve que ça fait quand même partie du sport. Ah, ouais. ah oui, puis les mises en échec, c'est important. Puis il y a des joueurs que c'est leur style aussi. Ouais. Ben, Georges Larac, c'était essentiellement ça. Là. Ouais. ouais. Le gars était pas asti. Le gars, il n'aurait pas été capable de scorer un but, même si c'était d'une porte de garage aussi. Puis, oh, mais... Genre, mais il était capable de se battre. Mais
Je l'ai entendu en entrevue, puis ça a l'air qu'avant, quand il était dans la Ligue américaine, mettons, c'était un scoreur, genre. C'est juste qu'il est rendu dans la NHL. Non, je pense que... ben ça, c'est dans le junior. Dans le junior, ouais, il était plus fucking jeune. Bon. Mais ça le faisait chier qu'il soit engagé pour ça. Parce que lui, pendant un bout, il habitait... moi, je n'étais pas encore né, je pense, dans ça là, mais il habitait en bas de chez mes parents, quand il était plus jeune. Ah, ouais? Ouais, il habitait là, puis il s'entraînait avec mon père. Puis apparemment, son père, à lui, était tristement rough avec. Genre, il pétait des chaises dessus. Parce que, c'est une histoire, genre, qu'à un moment donné, il avait mangé comme tous les pains à burger. Là. Gros tabarnak. Il revenait de s'être entraîné, il avait faim. Je sais pas à quel point ses parents avaient de l'argent, mais il avait tout bouffé, un sac complet de pain. Fait que là, son père voulait faire des burgers, il avait plus les pains. Fait qu'il avait cassé une chaise en bois sur le dos. Ben, Chris, il avait raison, pareil, là. Chris. Touche pas à mes pains burgers, mon esti. Ben ouais, regarde. Une chaise, man. Une fucking chaise. Ça devait pas être de l'érable, là. Ça devait être du petit bois cheap, là. Mais quand même. Ouais, sûrement, il avait pas évoqué. Il avait pas évoqué de fournir. Il a senti le bois avant, là. C'est-tu de l'érable? C'est-tu calice de la cajou? No matter what, il s'est dit non. Le fessier que mes mains se passaient, ça me prend un objet, le gros tabarnak. Il était vieux quand même, il devait avoir genre 16-17 ans dans ce temps-là. Oh ouais. Tabarnak. C'est drôle. Il a déjà fait un tour du chapeau dans la Ligue nationale, par exemple. C'est vrai? Georges Larocque avec les Penguins de Pittsburgh. Que genre, tout son bat va faire comme, ben, voyons, tabarnak. Tu sais, rendu au deuxième but, il va faire, bon, Chris, bonne soirée, c'était cool, puis tout. Ouais, le gros leurre de l'autre équipe s'est fait échanger le lendemain matin. Là, c'est quoi ça, Calis, là? Tu te fais scorer 3 fois par Georges Larocque, t'es comme, ben, Calis, il va falloir que moi, avec, je commence à me battre, esti, va perdre mon spot sur la team. Le plus violent des goalers, par exemple, je sais pas si vous connaissez Ron Extall. C'était, je connais le nom. Il était goaler pour bien des équipes. Il a goalé des coups de bâton. Ouais. Il goalait pour Philadelphie, puis il a goalé aussi pour les Nordiques un bout de temps. Puis il était tellement agressif, là. C'était genre un goon, mais dans les nets, là. Tu sais, genre, il a déjà sacré des coups de bâton dans les jambes des gars pendant qu'ils passaient parce qu'il l'avait accroché ou quelque chose de même. Genre. Nice. Il était fucking agressif. Puis à cette heure, si je me trompe pas, il est dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh, genre, comme, tu sais, il gère quelque chose, là, je sais pas trop, là. Il doit être beau en meeting. Il a peut-être lâché la coke puis les stéroïdes aussi. Ça a l'air d'un comportement un peu de même, mais je sais pas. Ouais. Il est primé sur la glace. Je suis pas sûr que pas mal tous les goalers sont plus aptes à crisser des volets à n'importe qui. Là. Il me semble que c'est pas mal plus eux les vrais goons, là, dans les net, là. Ouais, faut que tu sois plus qu'un ailier, mettons. Ouais, c'est clair. Là. Quand ouais, tu bloques une puck, il me semble que t'es capable de bloquer un jab. Hein. Ouais, tu devrais. En même temps, c'est contre-intuitif parce qu'en même temps, il la bloque, mais il la bloque avec son corps. Fait qu'il l'absorbe plus. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Vrai. Mais peut-être que ça mit, sont quand même. Ils sont rapides puis ils ont des bons réflexes. Fait que, I guess, il pognerait vite. Ouais. Moi, d'après moi, Carey Price, là, si ça marche pas, les goals là, pour aller faire de la boxe. Il va se battre d'un bar. Ouais. Il était pas en rehab, lui. Hein? Carey Price? J'ai entendu ça, mais j'ai pas trop. Je pourrais plus le suivre, mais le hockey, pendant un bon bout de ma vie, je le suivais vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, avec les shows, je suis tout le temps en show en même temps que les games. Fait que ça s'est juste comme tassé naturellement. J'en écoute des fois des games, là, mais c'est plus comme un event que je l'écoute avec des amis quelque part. Ouais. C'est tout le temps le fun aussi d'en regarder là, avec des chums. Là. C'est plus un peu fait pour... Ben, c'est pareil. Il y a bien du monde qui l'écoute tout seul, mais il me semble que c'est pas le plus fun avec du monde, là, justement. Là. Ben oui, clairement. Ouais. C'était pas Tommy Godet qu'il faisait des soirées où est-ce qu'il regardait des vieilles games des Nordiques. Ouais, ça me il streamait ça sur Twitch, je pense. Je pense que c'est sur Twitch. Puis genre, il faisait juste checker une vieille calisse de games des Nordiques. Puis genre, je trouvais ça drôle. Ouais, c'est nice. Il y a pas. Si on dit que l'humour vieillit mal, une game d'hockey vieillit très mal. Ben oui, saison normale. Là. Mais le pire, c'est que moi, je jugeais ça comme tout le monde. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire dans le folklore. Si tu joues ceux qui écoutent des vieilles games, mais je fais la même chose avec la boxe. Moi, j'écoute souvent des vieux combats. Ah, mais ça fait du sens en comme, même temps. Oh parce shit, que... c'est genre des vieux combats de Pascal, mettons. Il n'y a pas si longtemps, je me suis retapé toutes les Pascal Hopkins. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ils sont battus quoi, 3 fois? Non, 2 fois. Deux fois?
Ah ouais, ouais. Ouais, quand Hopkins a des fucking push-ups entre les rangs, ouais. C'est une malade. Pascal en fait un à une main. Ah ouais. C'est comme, ah ouais, genre ça fait comme 10 rounds, tu te bats, si t'as une minute pour prendre ton souffle. Nope, je fais des push-ups, moi je m'en tabarnak. Ça a été insane que Pascal fasse juste comme, fine, fais-en des push-ups, petite si cave. Ouais. Lui, il prend sa minute de break, il revient, il est sharp pendant la première minute, il le défonce. Ah, c'est clair. Mais clairement que Hopkins, le lendemain, il shakeait dans son lit. Là. Ah, c'est sûr. Tu sais, il était quand même vieux, en plus. Il était fin quarantaine. Là. Ouais. Je pense qu'il a 48-49 ans. Genre. Je me rappelle pas de son style de boxe. C'était-tu plus un counter-puncher? Hopkins, c'est qu'il connaît tous les petits cheat codes de la boxe. Fait que c'est un peu. C'était comme le meilleur pour jouer clean, mais sale. OK. Ah, OK. Ouais, genre s'arranger le plus possible pour finir le round comme déjà dans ton coin. Mettre ton poids vraiment ses mains de l'autre quand t'es proche. Puis il y a un style. Sinon, quand il punch, tu sais, il est dur un peu à cesser parce que selon le fight, ça change beaucoup quand même. Hein. Ouais, OK, ouais. Mais non, c'est un style que j'aime bien. T'sais, ça paraît que le dude, c'est un gay qui a de la boxe et qui a de l'expérience. C'est un gay? Ouais, c'est ça. C'est un gros gay de la boxe. Ça paraît que c'est un gay de la boxe, ce gars-là. GF dénommé, un gay. Ça paraît que ce gars-là, c'est un gay. La quote de la semaine. Une quote par semaine. Le gars-là, c'est un gay, Bernard Hopkins. Qui est le gars qui s'était battu dernièrement avec Vitor Belfort, le vieux de 60 ans qui s'est fait défoncer, là? C'était-tu Holyfield ou c'était... Ouais, Evander Holyfield. Ouais, je sais pas si c'est ça. Ouais, il y avait quelque chose, mais je l'ai pas écouté, ça. Ah, man. T'as bien fait, ton gars. C'était triste, là. Le monsieur, il avait 63 ans. Tu voyais déjà faire des pads en arrière, là, avant le combat. J'étais là, je regardais juste faire des pads, je suis comme... Ben voyons donc, tabarnak. Le gars, il y a aucune explosion. Il a l'air brûlé en faisant des pads. Il avait l'air... Il fait des pads, puis il se fait knocker. Ah ouais, genre... C'est my out! Oh non! Hey man, c'est ridicule, c'était des rounds de une minute, là. Il s'est fait knockdown trois fois. Il s'est fait knockdown trois fois, là-bas, je voulais qu'il arrête ça. Là, Chris. Ben oui, non, ça n'avait pas de bon sens. Puis contre Vitor Belfort, qui n'est pas spécialement un boxeur, là, en plus, là, c'est vraiment humiliant. Puis je comprends pas pourquoi il est allé là. Il y a tout tant de dettes que ça, il me semble. Je sais pas, il avait besoin de cash, clairement, là, mais tu sais, c'était ridicule. Là. Je te le dis, là, tu le voyais faire des pads. C'est comme ce gars-là, ça en va pas se battre, là, c'est impossible, calice. Là. Genre, je te le dis, là, il avait l'air brûlé raide. Là, genre, tu sais, je comprends, là, le gars, il est rendu à 63 ans, mais. Chris. Il y a personne qui l'a épaulé dans sa gestion financière, tabarnak. Il était champion du monde, il a dû faire des centaines de millions de dollars. Là, il est obligé d'aller se battre contre un monsieur Focal. Je parle. C'est une légende du MMA, mais dans la boxe, il y a un monsieur Focal, tabarnak. Ah, c'est pas un boxeur. Ouais. Il est obligé d'aller se battre contre lui à 59 ans. Peut-être qu'il voulait y aller parce qu'il aime la boxe. T'sais. Je veux dire, il a fait ça toute sa vie aussi. Ça se peut. Ben, peut-être, là, même. Mais tu sais, je pense que le timing, c'était à peu près en même temps que le genre de comeback de Tyson. Ouais, c'était contre, comme un an. Mais tu sais, comme Tyson, Tyson, c'était quand même assez impressionnant parce que Roy Jones, ça fait pas si longtemps qu'il avait pris sa retraite. Là. Ouais. Ouais. C'était genre 2018, puis Tyson, c'était 2005. Ouais. Tu check le combat, puis t'es comme, Chris Tyson avait l'air prêt à un... Pas nécessairement un vrai retour, là. Je pense contre d'autres poids lourds dans un vrai combat, il se ferait plus malmener, là. Mais non, c'était un nice combat pareil, là. Ouais, ben tu sais, pour ce que c'est, mettons, là, parce que je continue... Non, mais c'est ça, c'était pas mal ça que j'avais à dire. C'était un nice combat pour qu'est-ce que c'est, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, ça avait du sens, là. Ouais, ben... Tyson, il nous détruit, là. Ouais, c'est sûr. Encore. C'est sûr et certain. Là. Dude, astille, il va tellement me faire ses efforts que je vais me chier dans les culottes. Ah, c'est clair. C'est ça. Sûr et certain. Genre, paf avec la... Genre, on va me chier dans les culottes. On pleure fort, genre. Je vais vous crosser. Comme un enfant qui a mal, là, puis qui gueule. J'aimerais tellement ça voir ça dans un combat. Ce que j'ai vu plus proche de ça, c'est Daniel Cormier quand il a perdu le deuxième fight contre John Jones. Genre, il était dans le milieu de la cage, puis tu sais, souvent le monde braille backstage, ou des fois, tu vois un peu pleurer, là, tu avais la tête basse. Lui, ouais, c'est un showman. Je te dis, là, genre, j'écoutais le fight, puis je riais. Là, puis normalement, j'ai quand même de l'empathie pour ces affaires-là, parce que je comprends que le gars, il a travaillé fort, puis tous ses motifs, s'est fait péter la gueule.
Il y a de quoi de bien émotif là-dedans, mais lui, je te le dis, là, c'était legit, tu pleurais comme un enfant, t'es dans le milieu de la gage. Puis il parlait, puis il y a des sanglots dans la gorge. Ah, en plus, il s'était fait boulier avant le fight, fait que ouais. Legit, c'est un retour à l'enfance pour lui, là, quand il se faisait flipper boule au primaire, genre. C'est legit, là. Ce qui était gras, genre. Ben, je pense que c'était comme la seule défaite qu'il y avait en carrière qui n'avait pas été capable de backer, mettons, de rebattre le gars. Ah ouais. Si je me trompe pas. Il voulait rester heavyweight, le style de paix. Qu'est-ce que ça va changer? Il est rendu plus lourd, le style. Ça ne changera rien. Ben, il était allé chercher le titre, par exemple, à heavyweight. Ah, il est très, très bon, Cormier, tu sais. Mais il est juste un peu moins bon que John Jones. Ouais. C'est tout. C'est ça. Mais en plus, c'est ça que c'est que le premier fight, les deux ne s'aimaient pas, les deux s'envoyaient chier. Jones a testé positif, je pense. Il y avait de la bisbille. Ouais. Mm-hmm. Puis le deuxième fight, genre, tu sais, mettons pour la promotion, t'avais DC qui faisait comme, genre, Daniel Cormier qui était comme, ouais, là, je me suis vraiment entraîné fort, je vais te battre ce coup-ci. Il y a juste John Jones qui avait dit, man, I beat you after a weekend of cocaine. What you think is gonna be different this time? Non, ouais. C'est comme, tabarnak, j'ai fait de la poudre. Il est comme, I took cocaine too. You want to see cocaine? I'll show you cocaine! Il prend une cuillère à soupe. Woo! Come on! Oh, hey, ça c'est quand même beau. La poudre, c'est dans les substances illégales, là, en MMA, I guess. Ah, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais en même temps, je suis pas sûr que ça t'avantagerait dans le sens que tu serais sharp, mais en même temps, ton cardio prend le bord au complet, puis tu deviens plus sensible probablement à la douleur. Tu deviens faible, ça coke, là. Genre, ouais. On s'attend que t'es moins fort physiquement. Là. Genre, pour n'importe quoi, là, genre, t'essaierais de. Parce que t'es faible, tu te nourris mal aussi. Là, genre, mais même, mettons, pendant que t'es sur la coke, genre. Peut-être pas, mettons, ton premier bump que tu viens de faire de la journée, là, mettons, là, mais. Mettons, après une coupe d'heure, là, pour elle, là, mettons, tu ferais des push-ups ou whatever, tu vas clairement être moins fort physiquement. Là. Après ton bump de. Pas après ton bump de chevet, là. Une traque de chevet. C'est qui faisait ça? Une traque de chevet. Ben, dis pas le nom. Là, non, mais, je dirais pas le nom. En tout cas, anyway. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous disait que. Tu reconnais, puis on le dit, mon gars. Il appelait ça une traque de chevet. Ouais. C'est... Il dit, c'est quand tu te laisses une traque pour le lendemain matin. C'est une traque de chevet. Ah. Oh. Moi, dans ma tête, c'est comme une ligne avant d'aller se coucher. Ah. Mais pour le lendemain matin. Avant d'aller se coucher, c'est contre-productif. C'est un peu intense. Ah, man. Je trouvais ça drôle comme expression. Une traque de chevet, c'est vrai que c'est beau. Ça, dans une série, ça aurait sa place. Ah oui. Ah oui. Ah, man. Ça m'arrivait avant d'aller me coucher, j'avais de la misère à me crosser. Puis genre, parce que si j'étais genre. T'avais de la misère à te crosser? Ben, parce que j'étais fucké, tu pétais sur la coke. J'étais vraiment. Non, je me regardais, je me trouvais laid. Puis j'étais comme quand en lisse. Non, j'essayais de me crosser, mais c'était. Tu sais, genre, Chris, quand t'es à la coke, ça marche pas tout le temps. Ok, tu bandais pas ça. Ouais. Puis genre, là, dans ma tête, je suis comme vraiment déjà fucking, genre, coked out of my mind. Puis j'étais juste comme, ok, je vais me refaire genre deux tracks, puis je vais aller me recrosser après. Puis ça marchait un peu. Ça mettait un peu d'enthousiasme. Pourquoi tu te fais ça? Je ne sais pas pourquoi je me faisais ça, mais. Me semble, pas bander, mettons, avec quelqu'un, c'est humiliant. Mais seul, ça fait mal à ton amour propre. Là. Oh, ouais. Je pense qu'il y avait Jeff Mercier qui avait un gag qui disait je m'aime tellement pas que même quand je me croche, je pense à des filles laides. Quelque chose de bon. Ah, c'est marrant. C'est marrant. C'est drôle, ça. Ah ouais. T'as pas vu le fight d'hier? Il y avait, pour ce qui est cool, il y avait Ngannou contre Cyril Gane qui se battait. C'est quand même un fight intéressant. Parce que, tu sais, genre, tu t'as fait 20$, en fond, t'as bêté sur Francis Ngannou. Ouais. Puis c'est drôle parce que quand t'as dit le nom de l'autre, j'ai compris Gilligan. Fait que j'adore ça. Comme fight, j'adore ça. Oh, tabarnak. Ah ouais, le petit monsieur tout frêle qui se fait défoncer. Pourquoi personne n'a pensé prendre ça? Ben, c'est sûr que c'est un référent tabarnak qui dure, ça fait longtemps, là. Mais genre, legit, dans des build-up, quelqu'un l'appelle Gilligan. Ouais. C'est très drôle quand même. George Gilligan Saint-Pierre. Il y a avec son chapeau blanc et son chemin rouge. Le plus, avec GSP, ça fitterait. Oh, ouais. Plus que Rush. De quoi Rush? Ouais. Rush, c'était à cause de son début de carrière, je pense. Au début de sa carrière. Il rushait. Ouais, ben, il finissait le monde rapidement. Genre, il était plus. C'est plus que ça a avancé, puis qu'il est devenu champion, plus qu'il allait sécuritaire, mettons, pour garder le titre. Là, ouais. Ce qui fait du sens. Il aurait dû se donner un nom de dinosaure. Tu sais, je sais qu'il trippe là-dessus. Fait, George T-Rex. Ah ouais, c'est clair. Et puis il se fait une petite danse, genre. Je suis un dinosaure. C'est bizarre.
Mais... C'est ça qui manque, ça prendrait ça. Oh, genre, ouais. Genre ben, vraiment il... laid, là. Puis, il se voit qu'il se donne à fond, là. Il commet, là, puis il a essence. Laisse faire ton backflip, fais le T-Rex. Ce serait malade. Très malade. Mais ouais, mais sinon, toi, t'es un vrai, genre, fan religieux de MMA. Qu'est-ce que t'as pensé du fight d'hier? C'était bon, c'était sûr. Ben, c'était bon. De la carte en général, même, je dirais. La carte était quand même pas si peu. Il y avait des bons fights. Le common event était vraiment bon. C'était comme le championnat de 125 livres. Puis, genre, ils ont tout donné pendant 5 rounds. Genre, c'était. Yeah. Puis, chaque round, t'étais. Genre, tu l'écoutais, puis j'étais comme j'ai de la difficulté à dire quel bar ça va. Genre, il fallait que je check, mettons, à la fin du round, les significant strikes qui ont été envoyés. Fait que, sur papier, tu peux voir, mettons, à qui devrait donner le round. Mais, tu sais. En les écoutant, mettons, il y avait comme deux rounds que c'était clair. Puis sinon, les trois autres, ça pourrait aller d'un bord comme de l'autre, que je le sais pas. Là. Ouais. C'était quand même deux fights à décision. Surtout le co-main event, ouais, justement, qu'on le savait pas pendant tout jusqu'à la décision. On était genre sur le bout de notre banc là, décision. Finalement, ça a été vers l'opposant du champion. Ce qui arrive rarement là, dans les combats de championnat quand c'est pas tout à fait clair. Mais honnêtement, il l'aurait donné à un ou à l'autre. Puis j'aurais trouvé une manière de faire que, ah ben oui, ça fait du sens. T'sais. Fait que non, c'était vraiment cool. Même en sous-carte, il y avait des tabarnaks de dogfight. Il y avait des combats de chiens, mon gars. Là. Littéralement, deux golden. c'était weird en ça tabarnak. Ça serait beau, ça, entre les fighters, des combats de coq, de chiens. Ah, oh, tu mets un husky contre un shih tzu, husky, puis quel meilleur gagne. Ah, oh, tu ne mets même pas des chiens que tu te dirais, ah, oh, ça, c'est combat. Tu mets deux beagles. Ah, oh, ouais. Avec le long husky d'oreille. Ah, oh, ouais, contre un loup, pas. Genre. Un loup, ça c'est tout. Mais j'irais même. Enlève les canins, tu prends, mettons, un facochère. Contre un joli labrador. Oh wow. Ça redevient comme genre les premiers UFC qui c'était un arme marceau contre un autre pour voir qui était le meilleur, mais là tu fais que se faire combattre des races d'animaux différents. Ouais. Il devrait aller faire fourrer à la place. Genre entre les au lieu d'avoir des ring girls, c'est deux golden qui se fourrent. C'est malade ça. Ils n'ont pas le sens du spectacle. Ah oh, ouais, ils sont cage side, est-ce en train de le fourrer? Non, il m'a amené facochère, justement, à Labrador. Le Labrador sur le facochère, est-ce qu'il s'essaye? Tu sais, c'est malade. Who's gonna fuck who? Tu sais, ça fait comme un build-up en plus. Ah oh, ouais. On le sait pas. Ça va être qui va fourrer qui, tu sais. Ah ouais. Sinon, le main event était vraiment bizarre aussi. Genre, tu as comme les deux premiers rounds qui se passaient un peu comme je pensais que ça allait se passer. Dans le fond, t'avais Cyril Gann qui envoyait des petits coups, puis il était souvent in and out, fait que, genre, il touchait beaucoup, il faisait pas tant de dommages, mais il touchait beaucoup, puis il a remporté deux premiers rounds. À partir du troisième round, t'as Francis Ngannou qui l'a take down, puis ça c'est devenu un combat de Jiu, cette fight-là, genre, mais okay. Sur papier, c'est deux strikers. Là. Non, c'est jamais... ça, c'est pas des doutes de Jiu pas tout. Zéro. Le dernier round, là, ça a été legit 5 minutes de Jiu, genre. Avec du monde qui repogne le top, puis l'autre qui repogne le top, puis genre, des essais de soumission. Dans le cinquième round, c'était devenu un combat de jiu-jitsu, puis t'es comme, s'il y a bien un scénario qu'on ne s'attendait pas, là, c'est que le match, premièrement, se rentre au cinquième round, très, très peu probable, puis en plus, que ce soit un combat de jiu-jitsu, c'est genre tabarnak. C'est n'importe quoi, il n'y avait jamais aucun des deux fighters a déjà, dans sa carrière, montré de l'intérêt pour faire un combat de jiu ou même essayer un takedown. Ça devait être des premiers takedowns que les deux essayaient en carrière, genre, puis c'était trois rounds de jiu, man, c'était... Mais c'était intéressant. C'était intéressant parce que, genre, mettons, au quatrième round, c'était comme 2-2. Fait que là, c'est comme le dernier round, il est vraiment important. Puis c'est pour ça quand même des belles affaires. Tu sais, je pense que c'est pas un combat qui est le fun à réécouter. Mais à écouter en live, c'était nice, genre. Ah, cool. Ouais, vraiment. Toi, t'as vu un bon film hier? Ouais, ben le film, ben c'est un film de il y a beaucoup de combats aussi. Mais je m'attendais à mieux quand même. Mais le film Nobody de David Lynch, le même réalisateur qui a fait Fight Club. Ah oh ouais, c'est David Lynch? C'est Lynch. Ouais, c'est Lynch. Non, c'est David Fincher. Ah oh, ouais, Fincher. Le même réalisateur que Fight Club. Là. Ah, c'est David Lynch, Fight Club, je pense. Regardez pour être sûr, là. Ben je pense que c'est le même. Il me semble que c'est le même. En plus, l'esthétique se ressemble un petit peu, là. Mais bref, un super bon film. La prémisse, c'est un peu weird. T'as raison, excuse-moi. Ah, c'est ça. Mais c'est un peu... la prémisse, ça reste flou un peu. Là. Tu ne caches pas trop, sans le spoiler, là. Tu ne caches pas trop pourquoi, finalement, le dude, il pète
plein de yel. Tu comprends qu'il y a un passé de genre soit collecteur, soit dude du FBI trop puissant ou du crime organisé. Là. Puis il a switché ça pour sa vie de famille, tranquille. Il est comme ah! Puis ça, il tente de finalement. Ça, il tente pas d'être tranquille, mais c'était forcé. Puis là, finalement, pète plein de yel. Ouais. Mais c'était hot. Je pense qu'au cinéma ou avec un bon cinéma maison, ça doit vraiment être nice juste pour l'impact des coups que t'entends. Dans le fond, le film, c'est comme le personnage, dans le fond, ce que tu apprends en fin, c'est que c'est lui le Riddick. C'est ouais. Vin Diesel tout ce temps-là. Ça serait malade. C'est Vin Diesel. Il enlève son masque. C'est plus, ouais, c'est il met plus, ses petites crises de lunettes avec une strap en arrière et des petits couteaux. Ben, si c'était Riddick, tout ce temps-là. Tabarnak. Ce serait malade. Mais ouais, non, mais sinon, j'ai apprécié le film. J'aime, ouais. J'aime bien dans le cinéma quand il y a des petits détails, pas nécessairement importants, mais quand il y en a plein mis de l'avant, fait que t'as pas le choix d'en remarquer à un moment donné. Puis ce film-là, c'est rempli de ça. Nice. Fait que j'ai adoré. À un moment donné, il n'y a rien qui marche. Il oublie tout le temps de sortir les vidanges. Puis il vient pour crisser, je pense, quelque chose dans le déjeuner qu'il avait fait pour sa femme ou sa fille dans une poubelle. La moitié tombe à côté. J'étais comme, c'est malade. Ah ouais. C'est quand même bon. Je pensais au début que tu parlais de Mr. Nobody quand on en parlait avant d'enregistrer. Là, le ben c'est ça. Ah non, je veux dire. Ouais, mais t'as les deux. Mais je pense que c'est juste Nobody, mais. Ah non, je me trompe avec Mr. Peabody. Non, je me trompe avec Ouais, ça, c'est Ordinary aussi, c'est Man. Bon, ou... J'ai jamais écouté ça. Ah, ouais. Fait que Ryan Reynolds, là, de qui c'est comme un AI dans un jeu vidéo. Puis... Ouais, mais ça, on en a parlé, je pense, dans notre. Ah, je l'ai pas essayé. Dans le Casbury, dans le spécial Patreon de la semaine passée, je pense. Ah, ça se peut. Je suis pas sûr, là, parce qu'on a parlé de plein de shit, là. On a... ouais. Tu sais pas, Phil, mais moi et Marco, on s'est parti d'une émission de cuisine. Ben oui. Je sais que Buff Wellington enrobé d'une crêpe, c'est le skills. Ah ouais. Enrobé d'une crêpe. Ben, le bœuf à l'intérieur de la pâte feuilletée. Tu mets ton filet de bœuf avec mettons ta petite une duxelle de champignons, moi, puis tu peux mettre du. Ouais, tu nous en as fait tout ça. Ouais. Ouais, c'est bon ça. C'est mais tu peux faire comme genre tu peux mettre une petite crêpe, mettons, tu mets pas de sucre dedans pour pas casser le sucré, mais tu mets ça sur le dos de ton filet de bœuf, comme ça, genre en rejetant le sang, mettons. Ça va pas faire genre. Ça va pas imbiber la pâte feuilletée. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Ça va pas mouiller ta pâte feuilletée, fait qu'elle va rester croustillante puis elle se défera pas toute. Genre. Wow. Ouais, j'avais ça dans les chefs. Mon Dieu. Ouais. C'est Daniel Vézina qui avait. Daniel Vézina, bon, on le salue parce qu'on le sait qu'il écoute tout le temps. Là. Daniel, si teinte, oui, Chris, tu t'assieras là-dessus, on estime pas bon. Ça serait intéressant, par exemple, de lui demander. Je sais pas si. J'ai jamais entendu un podcast d'aller chier. Ouais. Moi, le monde, il là. Super agressif. Le monde, est-ce que j'aime pas ça tant que ça, moi, Chris, là. Je vais juste mettre ça au clair, là. Ah, ouais. Mais Mr. Nobody, c'est vrai que c'était bon. Ça faisait penser un peu à John Wick, là. C'était calqué sur l'univers de John Wick. Je pense que le producteur, c'était un des producteurs de John Wick aussi. Ça a du sens. Pas le réalisateur, là, mais il s'appelait-tu John Wick, lui, avec? Ça serait malade que, dans le fond, il se représente lui-même comme le plus fort au monde. Non, il s'appelle Gin Walk. Il s'appelle Gin Walk. Le film s'appelle Gin Walk. C'est comme, OK, ils sont même pas cachés, Carlis. Ça aurait été un nice cameo dans le film que Kenny Reeves arrive, puis juste, il mange une drette. Oh, that's it. Juste, POW! Il pleure, puis il s'en va. Ouais, c'est ça. non! hier, on parlait de Dave Morissette, puis ça a comme dévié, genre, on... Ben, voyons, donc pourquoi on parle de ça? Avec l'épisode de Rince-Crème, là, où est-ce qu'il y a le père des Denis qui est là, là. Ah, je ne l'ai pas écouté encore. Faudrait que je me remette sur le Patreon. Ah, tabarnak. Faudrait que tu écoutes ça. Tu veux que je t'enverrai le... Ah non, je pense que j'ai juste son audio. Je ne sais pas si je peux t'envoyer le... Ah, je peux te l'envoyer si tu veux. Ouais. Ben, je me mets souvent sur leur Patreon, puis j'en écoute plein, puis après ça, je débarque, puis je reviens, puis... Ouais. Ça, je vais me remettre dessus à un moment donné, c'est sûr et certain. Là, je l'adore, leur podcast. Ah, ouais. Mais juste pas l'écouter assidûment. Là. Genre, je suis là un mois, je les écoute toutes, puis je m'envoie un bout, puis je reviens. Ouais, je comprends. Ouais. Comme quand tu essayais de convaincre la fille sur le chat sexe de te montrer ses boules sans payer. Là. Ah, ben ça a toujours marché.
Ça, c'est un contexte, c'est que ça mérite. Ouais, ça a l'air, ça, j'ai l'air d'un esti de prédateur. Ouais, là, les gens créent ça sur Omegle de. Oh, ouais, ASL. Ouais, vas-y, je suis correct. Ah ouais. Non, non, mais c'était sur les lives, mais je fais plus ça maintenant, mais j'en ai déjà parlé, mais tu sais, avant. Non, tu fais ça quand t'es genre 15 calices ou je sais pas, là. Ben, j'ai fait ça jusqu'à. Ben, j'ai fait ça un peu majeur aussi, jusqu'à 20, mais ça marchait. Si tu fais juste un compte, puis tu fais à croire à la vie que tu vas aller en privé pour autre chose, mais tu dis de faire qu'est-ce que tu veux vraiment gratuitement. L'autre affaire, tu dis genre, c'est même pas obligé de faire du sens, ça. T'es comme, ok, mettons, tu lui parles un peu, tu sais, tu es super poli, ça marche pas tout le temps, mais honnêtement, j'avais une bonne moyenne. Là. Mais tu sais, mettons, tu lui dis, montre-moi tes seins. Puis après ça, on va aller en privé, puis je vais caresser tes seins. Puis là, il est comme, ah, mais ok. Puis là, t'es comme, ah, all right, next. Ben, un moment donné, j'ai juste réalisé que j'abusais du monde triste, là, qui ont rien dans la vie. Là. Oh, wow. Fait que j'ai arrêté, ça va comme turn off. Ça marchait surtout avec ceux que, mettons, les lesbiennes, deux filles ou les couples. Parce que les couples, tu deals avec le dude. Puis lui, après ça, il fait faire ça à la fin. En doute, vous comprenez comme, garde, j'ai pas d'argent. Ben, on dirait, ma logique, c'était que, tu sais, en groupe, on est tout le temps plus cave. Fait que quand ils sont deux, puis qu'ils ont déjà une chimie, c'est comme plus facile de demander tes affaires. Ouais. Fait que, faites pas ça, les jeunes, à la maison. C'est pas gentil. Mais j'ai jamais payé. J'avais un compte, puis tout, là, mais jamais. C'est fucking cher, là, en plus. Hey, là, dans un sens, fuck them. C'est genre 10$. C'est quasiment les mêmes tarifs qu'en humour. C'est genre 10$ la minute en privé, ça. Tabarnak. Hey, si l'UDA rentrait là-dedans, là. Surtout qu'en plus, Internet est rempli de vidéos gratis. C'est comme au pire, je paierais pas 30$ pour me crosser, puis... c'est ça. Il y en a tellement de stocks gratis. Genre, tu feras jamais le tour du stock gratis. Jamais, là. Mais c'est pour ça. Ben, on parle trop souvent. Mais là, ça fait longtemps. Mais de moi qui se masturbe. Mais moi, honnêtement, la douche, imagination, c'est de shit. Ou à la limite, quelques photos sur Google Images. Google Images, c'est rendu mon site de porn préféré. Oh, ouais. Mais tu sais, juste des fois, quand c'est le matin, puis je veux avoir aidé l'imagination à kicker in. Après ça, je pars all-in. Au show de mon petit moment, puis c'est génial. Là. Un petit Bryan Adams, là, en background. Puis... ça part, mon chum. Non, ça, je mets jamais de musique, sinon ça me fuck. Je me verrais pas faire genre, oh shit. Ah ouais, t'écoutes genre du Poison en petit ressort. Oh, genre, he's spawn a sweetie, me sweet comes a heavy. Mom, spaghetti, start. Oh yeah, ah, spaghetti, j'aime ça. Sur du rap, pour vrai. C'est ça, là. Faudrait sur du rap, là, ma gang de style bizarre, là. Ça va faire, calice. Ça veut juste être de quoi d'agressif. Oh ouais, genre du. Comment ça s'appelle? Du DMX, genre, what a hood, what a hood, what a hood. Ah ouais. Genre du Onyx. Le type coûte fucking agressif. Là, genre... Si t'es genre un gars ou une fille, genre peu importe, mais genre la personne avec qui, le gars avec qui tu fous, genre, il met du gangster rap, tu le sais que tu vas te faire enculer, genre. Tu le sais que, tu le sais que tu vas avoir peut-être une graine non désirée dans le cul, là. Ouais. Ça feel comme ça, là, madame. Ouais, le gars, il sort une laisse, puis il crache dans la gueule. C'est comme ça. Première fois qu'il rencontre la personne, genre super sweet. Fuck the police, coming straight from the underground. Ouais, ouvre ta gueule, il m'a craché dedans. Il crache dans la gueule. Première fois qu'il se rencontre. Ah ouais, il l'étouffe avec ses gosses dans sa gueule. Il l'étouffe avec ses gosses. Le pire, c'est que là, je pensais trop cartoon. Je voyais vraiment un long scrotum. Pour l'étrangler. Oh ouais. Pas dans la bouche. La genre... Ouverte. Genre le scrotum. Ok, comme, ouais, vraiment. Les... Ouais, ouais. Scrotum, genre bad grandpa, là. Tu sais, genre qui ouais, pend, exactement. Là, genre étrangler du monde, si tu es avec. Est-ce que c'est marrant? J'ai vu le making-of, d'ailleurs, de tout ça. Je savais pas qu'il y avait un making-of, mais il y en a un sur Netflix. Je trouvais ça drôle qu'il essayait de faire le gag justement d'avoir une gosse qui pend le long de sa cuisse mais qui est pognée dans ses bas. Puis ils se commandaient de la pizza. Puis eux autres, comme des épais, ils se sont mis à commander, mais la personne réagissait. Fait qu'ils rappelaient, puis ils rappelaient, puis ils rappelaient, mais tout le temps à la même pizzeria.
Fait que là, une moment donné, genre, comme rendu au 7e, là, genre, il y a un gars qui est rendu comme « Hey, salut, ouais, genre, fait que toi, c'est Johnny Knoxville, j'imagine. » Il est comme « Tabarnak, oh, wow, on est épais pour vrai. » Ça fait genre 4 gars qui le savent au pire, ah, c'est ouais, pour ça qu'ils réagissent pas, tu sais. Nice. C'est drôle, ça. Mais ouais, pour revenir à la fois de Dave Morissette qu'on parlait tantôt, là, genre, on aujourd'hui, j'ai Dave Morissette, puis ça a dévié comme sur le show de Mesmer, genre, tu sais, quand il est passé à Mesmer, puis genre, ils l'ont fait accoucher, genre. Quoi? Ouais, ils ont comme, ils l'ont hypnotisé, ben Mesmer l'a hypnotisé, puis ils l'ont fait accoucher, genre. Ben voyons. Ouais, ouais, fait que le gars, il a comme vécu un accouchement, puis on trouvait ça drôle de penser qu'il s'était sûrement chié les culottes. Fait que là, on est arrivé avec une idée de show pour Mesmer. Ah ouais, ouais, on disait, ce serait drôle que, genre, son show, c'est ça, tout le temps, même tabarnak d'affaires. Puis la fin de son show, genre, le clou du spectacle, c'est de faire chier dans les culottes, genre, un artiste. C'est drôle, ça. Mais okay, genre, les shows finissent tout le temps à la manière, c'est comme, bon, OK, maintenant, tu sens une petite pression. On se détend, on se détend. OK, maintenant, tu te relaxes, on prend des respirations. Et là, on laisse sortir le caca tranquillement, pas vite. Oh, puis genre, t'as comme Marie-Pierre Morin qui braille. Stie, je veux pas faire caca. Puis il est comme, non, non, moi je suis Mesmer. Calme-toi, puis relax. Oh, mais faut que tu tapes ça rapidement, là, parce que genre, t'as pas le choix de. T'as juste une saison, là. Clairement, saison 2, le moment où savoir le tricks. Moi, c'est un one-shot deal en tabarnak. Oui. Mais genre, tu sais, t'imagines, t'as Grégory Charles, t'as Esti, Marie-Mé. Ah ouais, Marie-Hélène. Puis en plus, ils ont genre des... Ils ont comme, ils font même pas assez sur une toilette. Ils ont des jogging, ils font squatter devant tout le monde. Puis il y a une caméra qui filme le cul pour pas manquer le spot de marde dans leur beau pants épisode blanc. Épisode 1, j'ai du temple. Oh oui! Ah ouais, dans des beaux pants blancs, tu vois juste un spot non, de marde qui arrive. Oui, c'est beau, mon Dieu. Après ça, il fait enlever ses bobettes, puis il y a une toile blanche en dessous. Ah ouais, à cette heure, on est un artiste. Ah ouais, on peint! Puis, il décide avec sa marde à terre. Oh, lisse. Ça serait un style bon show. En tout cas, Mesmer, oui. Style, garde. Anyway, si tu veux pas le faire, moi, je connais tes deux fils, Esti, puis je suis sûr qu'ils sont prêts à tout. Ça serait malade. C'est tout le temps la même affaire. Il n'y a jamais aucune surprise. C'est exactement ce que tu penses qui va arriver à toutes les fucking fois. Ça serait malade. Le public commence à faire comme « Ah, calice, il ne faut pas y faire chier dans les culottes encore. Ben, voyons donc, c'est dégueulasse. Personne n'a le fun. » Après la pause, on va lui faire parler le mandarin. Pendant qu'il chie dans les culottes. Il essaie de swerver, mais juste pour avoir son petit bonbon, là, faire chier quelqu'un dans ses culottes. En plus, c'est que c'est même pas le pire concept télé qui existe. Eh oui! Eh oui! T'appelles ça se chier des culottes avec Mesmer? Ah ouais. Le monde le savent pas. Il y a tout le monde qui book, il lui donne un faux nom. Genre, puis après, ah non, ça s'appelle. Vous allez. Ouais, non, ça, c'est... Non. Vous allez chier à terre, c'est ça. Ça a l'air d'un concept de show japonais, là, où est-ce qu'il y a tout le temps genre les invités nowhere qui viennent au show pour se faire insulter ou humilier d'une manière ou d'une autre, genre comme genre OK, t'as manqué la réponse, parfait, on va te twister mamelon jusqu'à temps que tu broyes. Puis genre, tu sais, des affaires de même. C'est tout le temps un peu bizarre les shows japonais. Ça. Ah ouais, c'est weird. Là. Je suis sûr qu'il y en a un qui existe de même, qui est un peu genre pseudo-érotique bizarre, mais c'est tout le temps rien que des gens qui chient dans les culottes. Je pense que ça existe, ça. J'avais vu m'amener, c'était comme une espèce de course, puis il y a des marches, puis des affaires de même, mais genre, il y a comme de la vaseline, puis de l'huile partout à terre, genre. Donc, c'est juste du monde qui se pète la gueule en essayant d'avancer avec un casque, un genre de suit en latex, genre, de couleur, genre. Puis, ça, je guess, il y a de l'argent à gagner, là. Fait que c'est juste du monde qui essaie d'avancer, puis qui tombe à terre parce que c'est fucking glissant, puis le monde, c'est... Le monde trouve ça ultra drôle, le style. Ah, il tombe à terre. Il tombe. Ah, le gars, il a tombé. OK, on le viole. Ça file de même, les choses japonaises. Ah ouais. C'est drôle dans le film Hot Top Time Machine 2. Il riait un peu de ces concepts de show-là, genre. Là, genre, il y avait... Il disait que c'était comme une émission qui passait à l'heure du souper, genre. Puis là, à un moment donné, il finit de parler. Il dit, ouais, il y a aussi... Avant ça, il y a... c'est genre Basement Emergency ou je sais pas trop. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est genre, c'est des enfants qui sont pris dans des maisons, qui s'effondrent, puis là, ils sont comme genre, oh, maman, aide-moi! It's hilarious, genre. C'est chaud, c'est malade. C'est calme. Nice. Oh, wow. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'ai écouté la télé.
Là, la vraie télé, ouais. Mettons. Là. Ouais, genre aussi, ouais. De Netflix puis une chaîne, j'écoute ça. Mais la télé, là, avec des pubs puis tout. Là. Ouais, je m'ennuie des pubs, surtout. Là. J'ai écouté cette semaine la télé. J'ai écouté Rose Battle, parce que j'ai pas le câble chez nous. J'étais chez mes amis. Ben, tu sais que c'est nouveau, là, c'est ça en ligne. Ouais, non, ils ont juste débloqué le premier épisode. Sinon, vu que c'est sur ZTélé, genre, le reste, faut que tu t'abonnes, genre. Ah, ouais. Ouais. Bon, c'est PD, là. C'est depuis la saison dernière, c'est ce qu'ils font. Avant, t'es sur Crave. Ouais. J'ai plus Crave. À moins que j'attende la fin de la saison, puis je m'abonne un mois juste pour. Ouais, mais là, en plus, tu vas. Avec Crave, là, moi, je le garde parce qu'ils l'ont comme tout mergé ensemble. T'sais, avant, c'était comme des forfaits. Puis là, moi, mon prix n'a pas changé, mais maintenant, c'est rendu 20$ pour Crave, me semble. Puis t'as tout, là, mais. Ok, fait que t'as HBO puis tout. Ouais, c'est ça. Moi, okay. Je paye encore 10 vu que, tu sais, c'est PD. Si ça devient 20$, c'est random. Ouais. Mais parce qu'avant, avec les forfaits, c'était ben trop cher. Là. Si tu voulais t'abonner, ça. Fait que là, c'est 20$, puis ils ont tout mis ensemble. Ok. Ah, oh, c'est une bonne idée. C'est quand même cool, mais c'est. Tu sais, je paierais pas 20$. Y a-tu bien du contenu intéressant sur HBO? Ouais, quand même. Quand même, ils renouvellent pas tant, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont cool. Ok. T'as-tu écouté I'm Dying Up Here? Je l'ai déjà commencé. Ouais. Mais je l'ai pas terminé. Mais ça a l'air d'être une super bonne série. Ouais, c'est quand même bon. J'ai écouté, je pense, les trois premières saisons. Mais la troisième saison, je pense, je suis pas sûr si c'est la troisième ou la quatrième, là, mais ça a commencé à s'essouffler un peu. Fait que, tu sais, des fois, ça fait ça. Genre, on dirait qu'il y a une saison qui est un peu moins forte. Fait que t'arrêtes de l'écouter. Là, mais... Ils ont fait combien de saisons? Bonne question. Je vais regarder me dire ça tout de suite. Parce que j'ai une théorie slash qui devrait être un règlement. Là. Moi, je pense que chaque série, ça devrait être maximum 5 saisons. Puis quand c'est excellent, ou 3 saisons. Ouais. Ça dépend. Moi, South Park, je ne voudrais pas qu'il arrête personnellement. Ah, mais tu sais, South Park, ça ne rentre pas nécessairement là-dedans. T'sais, c'est plus genre dessin animé, sitcom, que c'est vraiment pas plein. Là. C'est pas pareil. Ouais, je parle quand c'est plus une histoire. Genre. Ouais, puis que les acteurs vieillissent aussi. Là. C'est ça. Ça joue, là, Chris. C'est clair, là. Degrassi, là. Hey, 10 ans de ça, à un moment donné, tabarnak. On peut-tu... Ça se peut-tu qu'on cache Carlis qui est plus en secondaire 5 fait un bout, là? Oh, ouais. Il y a deux saisons à I'm Dying Up Here. Je pensais qu'il y en a plus que ça. Oh. I guess, j'ai écouté la première. Puis la deuxième, ça s'épuisait. Ouais. Ben, je trouvais ça moins intéressant un peu. Tu sais, t'avais comme des open micers puis tout. Là, t'avais ben, pas les open micers, mais tu sais, du monde qui commençait, mettons, en stand-up là, dans la deuxième saison. Les open micers. Ouais. Ouais. C'était le bon terme, je pense. Je me suis pas fait comprendre. Ouais. Je pense que dans la deuxième saison, t'as comme un des dudes qui pogne une gig télé puis tout. Puis genre, c'était moins intéressant un peu. J'aimais bien, tu sais, le gars avec le problème d'héroïne dans la première saison, je trouvais que c'était quand même. Ouais. C'était rough à écouter par bout, mais je trouvais ça bon. Ouais. L'héroïne, c'est tout le temps bon. Ben ouais. Ah, l'héroïne, là. Oh, il y a du monde qui suce des graines pour ça, ça doit être pas pire. Écoute, c'est sûr. Si t'es prêt à scraper, si, genre, ta santé, ta vie, ta famille. Pour, ça doit être excellent. Ah, c'est sûr. C'est débile. Mais man, après ça, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Fait que, tu sais, déjà, t'as moins à te stresser avec bien des affaires. T'sais. Absolument. Moi, je trouve. Ouais, juste... si l'héroïne est ton seul problème, c'est un gros problème, mais c'est quand même bien. Il y en a plein qui ont plein. Ils ont des problèmes alimentaires, des problèmes d'anxiété, des problèmes de santé, des problèmes familiaux. Si ton seul problème, c'est l'héroïne, t'es chill. Au moins, ça va, là. Ben oui, faites de l'héroïne, les jeunes. Ben oui, faites de l'héroïne, mais allez pas sur les sites de cam érotique, profitez des filles, par exemple. Non. Mais faites pas ça en cave, piquez-vous ses pieds. Comme ça paraît pas. Ouais, pas les orquis, tu sais. Parce que les policiers, là, s'ils voient dans ton dossier que t'as de la drogue, si, là, pis tout ça, là, ils vont pas arrêter de te faire chier. Fait que cache-toi, pis drogue-toi dans le silence. Ouais. Essaye, va pas contacter personne avec tes estis de problèmes. Tu vas le faire pogner par la police à chaque fois. Chaque fois. Y a personne qui peut t'aider. T'es sur ton bateau. You're on your own. T'es sur ton île déserte, mon gars, jusqu'à la fin de tes calices de jour. Il y a un gag que j'avais écrit à GHB. Je disais, là, si tes amis font une intervention, mettons, si tes amis jugent ta consommation, juste pique-les à l'héroïne. Fais, haha, t'es pire que moi maintenant. Ouais. Ah, ouais. Man, t'es maintenant officiellement un addict, mon gars. T'es comme, pique tes amis à l'héroïne,
tu seras pas obligé de te cacher dans les toilettes pour sniffer ta coke. Comme dans comme des films d'espion quand genre le méchant pogne le gentil puis fait juste une injection dans le cou, genre tu ouais. fais ça mais genre avec un sérum de l'héros, genre comme t'es mon esti, je t'ai eu mon corps. On le pointe, ben, c'est un héroïne de mal. Il est fucking gelé. Tout le monde checké Steve. Il est pété sur l'héroïne, le petit junkie. You got prank! You got punked! Puis là, il a acheté une couture qui sort. C'était pas oh man, si c'est mal fait, ça, punk d'ailleurs. Je sais pas si vous avez revu de quoi ça avait l'air aujourd'hui. C'est pas non. Stagé. Ben, pas ben, sûrement un peu. Là. C'est sûrement un peu stagé, oui, mais c'est juste. Je sais pas. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui est fucking pas bon dans le show. Anyway, vous irez voir, si, mais moi, je trouve. Oh, c'est de la calice de marde. C'est je l'ai ça. Dit à Ashton. Ah, tu le remets à sa place, hein? Je le remets à sa place. Hey, mon garde, comédie romantique, est-ce que c'est pas pire? Tu sais, t'es pas un punk. J'ai dit ça. C'est quoi ton film préféré d'Ashton Kutcher? Il avait fait un film d'horreur à un moment donné, il me semble. Ouais. Ah, et. Attends. La fille de mon patron. Ouais, ouais, c'est quand même bon. Ouais, j'aime Tara Reid. Avant qu'elle tombe dans la drogue, là. C'est avant qu'elle soit laide, dans le fond. Là. OK, avant qu'elle... Ah, mais mon film préféré, qui est Ashton Kutcher. Ben, c'est-tu lui qui joue là-dedans? Mais le film de Steve Jobs, le premier, là. Ah, ouais, ouais. Ça, c'était bon. Juste Jobs, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, ou L'effet papillon. Ah, c'est ça, le film d'horreur, tu parlais, L'effet papillon, right? Je pense que oui, peut-être. Ouais, L'effet papillon, c'était écœurant, ce petit film-là. C'était vraiment bon. Il paraît qu'il existe plusieurs endings différents. Ouais, on m'a dit ça aussi. Alors, si t'as la version DVD, ben, je me rappelle que je l'avais écouté, mettons, sur Belle Express Vue à l'époque. Oh, chez mes parents. Belle ouais. Express Vue. Ben, il avait ça, passé, quand ouais. C'était comme après qu'il est sorti, mettons, au cinéma, puis tout ça. Puis je me rappelle de le voir à Belle Express Vue. Puis il n'y avait pas le même ending que quand je l'avais vu sur un DVD. Puis genre, c'était pas genre un peu pas la même affaire. Genre, c'est complètement différent. C'est complètement différent, là. C'est genre, il y en a. En tout cas, je vous les dirai pas ou je vous l'ai dit tu ou... Ben oui, vas-y. Ils ont fait un ouais, Il y en a une où est-ce que genre les trucs reviennent relativement à la normale, si je me rappelle bien. C'est le fun parce que c'est pas flou quand t'expliques. Mais il y en a une que je me rappelle très bien que genre il décide de retourner à quand il était un fœtus pour se suicider ouais, dans ouais, le ventre ça, de sa mère. Puis comme ça, il peut pas contrôler le passé, puis il peut pas finalement. Tu sais, pour réparer tout, il se suicide dans le ventre de sa mère. C'est ça la alternate ending, genre. Qui est quand même assez intense. Moi, j'avais vu celle-là. Je me rappelle pas, moi, c'est laquelle que j'ai vu, mais je savais qu'il y avait plusieurs fois. Ouais. Ouais. Tout un call, ce film. Maintenant, tu vois des graines. C'est vrai. Tu vois des graines de jeunes. Dans le 2, il y a une scène où le c'est pas Ashton Kutcher qui le fait, là. Mais genre, le film était pas tant bon, là. Il y avait une scène que j'ai trouvé marrante, genre, c'est comme juste le gars, il se réveille, tu vois, qu'il a comme été drogué ou saoulé, ou tu sais pas trop, tu sais, il se réveille, il est dans un lit, puis genre, il est comme tout mêlé, puis là, il se fait sucer en dessous des couvertes, puis il est comme genre, oh, puis là, il vient dans une gueule, là, tu vois juste un gars rasé qui sort des doigts, il est juste comme, oh, tabarnak! Ah, oh, ben, mais c'est pas Ashton Kutcher, ça? Non, c'est pas Ashton Kutcher qui le fait. Ouais, homophobe, Ashton Kutcher. Oh, ouais, il a pas jamais accepté ça. Big time. j'ai checké pour vrai la filmographie d'Ashton Kutcher, puis je pense que mon film préféré d'Ashton Kutcher, c'est Dude, Where's My Car? Ah, ouais, ah, avec. Je l'ai écouté il y a pas longtemps, en plus. Ah, ouais? Ah, ouais? Ouais, mais ça, c'est vraiment un esti de vrai film de cave, là. Ouais. Mais c'est un comédie qui montre pas qu'il fume du pot. Mais moi, je le mettrais même plus film de cave que film de stoner. Là. Ouais. Ouais, je comprends. C'est pour ce que c'est super. C'est parfait. Là, ça marche. T'sais. Avec Sean William. Sean William Scott. Sean William Scott, ouais, qui est oui, Stifler, mon acteur préféré des années 2000, là, nécessairement, parce qu'il m'a tellement marqué. Ouais, il est malade. Mais il a fait des bons shit. Là. Il était drôle comme acteur. T'sais, dans The Rundown, c'était drôle. Là, avec The Rock, je pense. Avec The Rock, ouais. Dans American Pie, il nous a montré la masculinité toxique à toute une génération. Il était cool. Moi, j'étais comme Chris, je veux être ce gars-là. Ah, il était cool. Moi, je trouve même pas que c'était montré la masculinité toxique. Là, parce que, surtout son personnage à lui, tu vois que personne tripe vraiment dessus. Là. Tout le monde le trouve cave. Ouais. Ah, ouais.
Ouais. Il peut pas. Dans les nouveaux American Pie, à un moment donné, Stifler, ça devient hot, là. Quand tu es dans The Naked Mile puis Better House, que t'es comme le dude cool, genre, mais qu'il y a un Stifler vraiment plus relax que lui, là. T'sais, ouais, mais là, c'était son cousin, genre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est son... Au début, c'était son frère, je pense. Non, premier, mais ouais, ça c'est dans Ben Camp. Ouais, c'était son frère. Et pour ça, ils ont perdu le contrôle. Là. Ah, c'est mais c'était rendu n'importe quoi. Qui là. Dans l'arbre généalogique, Stifler, ça va être sa grand-mère qui a dit. C'était quoi déjà? C'est American Pie, Better House. Mais moi Naked Mile et Better House, moi, je les ai aimés quand même. Ça reste des bonnes... C'est pas les meilleurs American Pie, là. Le 1 puis le 2, de loin les meilleurs, là. Mais encore là, ça a pas si bien vieilli, genre, c'est pas si bien rythmé, genre... Pas sûrement pas. Côté gag, mettons, là. Non, c'est ça. Dans le même style, t'es bien mieux d'aller avec son grand-père, qui est Animal House. Ouais, National Lampoon, dans le temps, là, leur premier film, là. C'est bon, là. T'sais, si tu vois que c'est vieux, là, quand même, je pense que ça date des années 70, là. Ouais. Mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de bons gags, là. Puis c'est vraiment grand-papa d'American Pie, là. Ouais, big time. Vient de là. Ouais. Puis de Porky's aussi, mettons, qui est un petit peu proche en termes de date. Puis de plein d'autres comédies, justement, des raunchy comédies, là, qui sont sorties par la suite. Genre, Ouais, ça vaut la peine de regarder, juste comme pour comprendre d'où est-ce que tout se part, là, parce que c'est vraiment de plus. Ben, il est sur Netflix, je pense qu'ils l'ont mis. Ils l'ont remis, en fait, sur Netflix, Animal House. Ah, ouais. Je pense que je l'ai écouté. C'est-tu avec John Belushi? Ouais. Ok, ouais, je pense que je l'avais vu. J'ai un poster de lui avec son chandail à manches longues, là, puis c'est ce short, là. J'ai un poster de juste de du père. Il n'est pas marqué Animal House nulle part, c'est juste le personnage. C'est genre, si tu sais c'est quoi le film, tu rentres chez nous, on va faire « Ah, OK, nice. » Si tu connais pas le film, t'as juste un estime monsieur, nowhere. un gros Sereinaman. Lui aussi, un Sereinaman. Ouais. Un gras, il y en a quand même plusieurs. Ça, je comprends pas. Chris Farley. Artie Lang, tu sais. Ouais. Hardy je Lang. Comprends pas. Là, I guess, ils ont faim pareil. Si... Faut-tu qu'Hardy Lang saïsse pour dire « Mon nez est dégueulasse, puis je le garde de même. » Je sais pas si t'as vu son nouveau nez, là. Ouais, il est horrible, son nez. Son nez, je parle comme s'il l'avait commandé, là. C'est pas mal arrivé par accident, là. Mais, calisse, man, il est fucked en tabarnak. Ouais. C'est pas un nez de boxeur, calisse, ça, là. C'est un nez genre de gars qui s'est lancé sur une grenade, là. C'est dégueulasse. Ouais, mais ça, ouais, c'est fait sucker punch par un jeune qui voulait voler son argent. J'ai entendu plusieurs histoires, puis en même temps, c'est un toxicoman de longue date. Il a fait tellement de coke que son nez avait comme plus rien dedans. Fait que quand il s'est fait frapper, ça a juste comme... Il a raconté aussi qu'à un moment donné, il était dans une chambre d'hôtel avec une fille. Je pense que c'est à l'origine de ce nez-là. Dans le fond... Il était en train de boire de la bière dans des verres ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était du champagne, genre dans des flûtes. Puis il cassait des. Oui, c'est ça, dans des flûtes, exact. Puis il cassait des pilules d'oxycontin pour les sniffer. Puis un moment donné, il y a un verre qui a pété sa table. Puis là, elle, la fille, a continué à grinder les pilules, mais elle a grindé à vitre avec les pilules. Oui, à son école aussi. Elle a fait des lignes. Alors ça, lui, est arrivé, il s'est fait une ligne, puis genre, son nez était bien plein de verre, tout avait, toutes les terminaisons nerveuses, le cartilage, tout y a passé. En tout cas, je pense que je sais pas d'où est-ce que ça vient exactement son nez. Probablement que ça a pas aidé. Ah non, c'est sûr. J'imagine qu'il sniffe de la vitre cassée, tu sais, j'avoue. C'est dégueulasse, ça, c'est complètement dégueulasse. Ouais, sniffer de la coke, pas de la vitre, les jeunes. Ben oui, ça comme du monde, Hey, calisse, là. Puis l'affaire, c'est pas vrai, l'affaire de ça gèle les dents, c'est bon. Ah ben oui, c'est vrai. Hey, faites vos recherches. Ça... À la limite, là, si tu veux faire ça, liche ton baguette comme un vrai beans. J'ai comprends tellement pas. Genre, honnêtement, c'est pas un feeling qui est tant nice que ça, avoir la gueule gelée. Non. Genre, je sais pas. Même mon dentiste, c'est pas cool. Non, non, c'est ça. Ouais. Moi, du monde qui font ça de même, c'est comme, OK, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir les gencives gelées? C'est comme genre, je suis qui veulent ils veulent se sentir comme au cinéma. Ah, c'est fucking ça, là. C'est fucking ça. C'est vrai que c'est bizarre. Il y a bien du monde qui aimait ce que j'ai vu faire ça. Moi, personnellement, Chris, tu sais, même si j'étais bien accro, quand il était fini, le sac était fini à un moment donné, là. C'est genre, c'est pas besoin de le licher. C'est pas comme un fond d'assiette de spaghettes que t'as aimé à la sauce, là. Ouais. Tu sais, ça doit être dégueulasse, en plus.
Ça doit pas goûter la cerise. Là. Ah non, ça goûte le chimique. Ouais. Là, ça goûte de quoi d'absolument pas naturel, voire au contraire. Là, c'est dégueulasse. Là. C'est absolument dégueulasse à faire. Ouais. 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 Du monde qui voulait pas gaspiller. Le 26 cents, le petit coke qui restait dans le fond. Le monde, il se faisait dire « Hey, il y a des petits enfants en Afrique qui n'en ont pas de coke. Finis ton baguise. Finis ton baguise. » On regardait tantôt, d'ailleurs, je tourne un peu du coq à l'âme, mais genre, on regardait Super Trooper. Ah ouais, t'as vu ça, là? Il y a longtemps, mais ouais, je sais quoi. Chris de tabarnak, il y a une phrase, justement, ça m'a fait penser à ça, qui est vraiment drôle. C'est genre, il y a des policiers, le moment donné, tu suis des policiers des patrouilles d'autoroute, genre. Puis le moment donné, ils arrêtent des jeunes qui sont en train de geler. La scène était cœur, hein. Ils sont ouais, en train de passer. C'est assez du film, en plus. Ouais, puis ils ont plein de drogues sur eux autres, puis tout ça. Puis le moment donné, ils trouvent un sac de potes, puis là, ils font juste comme, OK, well, me and my colleague over here are gonna stand here and wait until you finish the whole bag. Puis genre comme, leur espèce de façon de réprimander des jeunes de se droguer, c'est de leur faire fumer un sac, gros crisse de sac de potes au complet. Ah oh, ouais. Puis en tout cas, je trouvais ça fucking cool. Ouais, c'est marrant, là. Genre, c'est comme, ils se font arrêter, là, t'es comme le... C'est comme les policiers qui les arrêtent, ils vont les contrôler, prennent le papier. Tu vois, ils font juste virer, les policiers sont plus là, ils sont rendus en char en arrière. Ils dépassent par la droite, genre par le champ. C'est comme, hop, ils s'en vont sur l'autoroute, ils partent, ils collissent les breaks, ils reculent fucking vite. C'est genre, on dirait legit, genre, c'est monté quasiment comme si c'était une scène de film d'horreur, genre, mais nice. C'est juste des policiers, c'est n'importe quoi. Là. Ça m'a fait très mal. Il y a une scène qui est genre, les policiers s'en vont genre dans un burger shop et tout. Là, tu vois juste, mettons, genre, le gars, il commence sa commande, là, il fait genre juste dire « A large burger for a cop! » Il dit ça au micro, là. Le gars, il est comme « Quoi? » genre, il est comme « Chris Clamin, il va cracher dans ma bouffe, là. For a cop! » Nice. Ça m'a fait rire. Ah, oh, c'est drôle, ça. Non, ouais. Ce serait quoi, mettons, une des meilleures comédies des débuts 2000? Oh, shit. Le début 2000? Je sais pas si ça rentre dans début 2000, mais tu sais, Harold et Kumar, moi j'ai trouvé ça excellent. Là. T'es bon. T'es gros fan d'Harold et Kumar, ça l'a meublé l'adolescence un peu. Là. Même avec un de mes bros, on a plein de running gags de tout ça. Autant du film en anglais qu'en français. Ouais, là. Ouais. C'est juste le bout que Kumar va pisser, puis t'as le dude qui arrive, puis qui pisse juste à côté. Ouais. Il est comme, c'est votre buisson! Vous avez des rapports privilégiés avec ce buisson! Vous êtes le roi de la forêt! Espèce d'enculeur d'arbre! Est-ce que c'est votre buisson spécial? Ah ouais! Le gars fucking bizarre! Ça semble un bon buisson pour pisser! Pourquoi? Moi, un dessin qui me faisait fucking rire là-dedans, c'est genre quand il va au restaurant, puis le gars il dit, il y a un White Castle là-bas, il dit, ah oui. Je vous conseille pas les burgers! Moi et Pookie, on a mis du jus de bite dans la sauce! Les rires de votre de la bite d'animal. C'est curieux. Allez, viens, Pookie, on va brûler ce resto de merde. Ah, mais ça, le pire, c'est que je comprends tellement cette scène-là. Mais quand je travaillais au Decans, des espèces de moments caves de même, de juste se battre dans le pack star, de tout décalisser un peu, tout remettre en ordre après, mais ça arrive, là, des espèces de psychoses. Garder là. Nous, en plus, le boss partait à 2 heures. Fait qu'après ça, ça devenait le chaos total. Là. Ça devenait un party. Là. Les vendredis soirs, on avait des bouteilles. Tout le monde fumait. Tout le monde fume en dedans. Ils s'en collaient. Le boss est parti. Mais Chris, il y en a un style de vieux lait que lui, il abusait. À un moment donné, on l'a pogné en train de fumer dans le congélateur. Style d'épais, comme si ça sentirait pas. Club, je non, un joint. Je ne me rappelle pas si c'était un joint ou une clope. Mais il est bien épais. Il pense que ça ne sentira pas dans le frigidaire. Il faisait des fromages. Il fumait en même temps. C'est tabarnak. Lui, il abusait un peu trop. Mais ouais. Chris, man. Moi, il y avait un chef cuisinier où est-ce que je travaillais, au Lac-Saint-Jean, que lui, il allait dans le frigo pour... il y avait 2 grosses canettes de... genre de bière forte, cheap, là, mettons Bleu Dry ou Molson ou peu importe. Il y avait 2 grosses crises de canettes même dans des sacs de papier, puis il allait faire de la poudre dans le frigidaire. Il avait comme 65 ans, 68 ans, le bonhomme. Là. Il faisait de la... en fait, il était peut-être plus jeune que ça, mais il a fait genre beaucoup, beaucoup de coke. Là, ouais, il a l'air d'avoir 15 ans de plus. Ah, ben, il avait l'air magané en tabarnak, faisait de la coke. Le gars 24, dans le fond. Ouais, puis je rentrais en plus pour aller juste chercher mes affaires.
il me gueulait après pour que je sorte, esti, en tabarnak. Comme il était comme, sors du site, esti, calice, pis tout. Je suis comme, tabarnak, je m'en vais chercher mes enfants. Il était fucking agressif parce qu'il dormait jamais, probablement. Ah ouais. C'était un esti bizarre. Pas moyen de faire de la coke, ça job tranquille. Je pense qu'il s'appelait Michel. Je pense que son nom, c'était Michel, esti. Fait que s'il est pas mort, on le salue. Michel quoi? Michel quoi? Je sais pas, mais on le garage longtemps. Du boss. Hey, c'est genre en 2012, peut-être, 2013, ça. Ça fait longtemps en esti. Il doit être mort. Pas moi, il est mort. J'espère qu'il est mort, cet esti-là. Il est en prison. Ben ouais. T'avais-tu vu, j'en ai parlé avec Phil tantôt, mais t'avais-tu vu le film Waiting? C'était un film de restauration. Là. C'est genre une comédie avec Ryan Reynolds et Justin Long. Non. D'après moi, t'aimerais ça pour vrai. C'est un film d'une heure et demie. Là. C'est une petite comédie pas trop longue, puis ça se passe en restauration. T'sais, si tu travailles pas mal en restauration, ça devrait te parler quand même. C'est comme une histoire vraie. C'est malade, une comédie. Fucking cave, mais c'est une histoire vraie, comme si ça allait rajouter de la qualité à quoi que ce soit qui se passe, tu sais. Non, oui. Ça malade. Il se passe rien vraiment. Non, mais je te conseille, c'est ça, c'est juste, mettons, genre, ça suit comme une troupe de jeunes, mettons, dans le début vingtaine, genre, qui travaillent en restauration, qui font le party le soir, puis... Tu sais, le film se passe majoritairement sur une journée, là, genre, puis... Mais c'est quand même bon, il y a des bons gags, puis c'est un... Ce qu'essaie de te dire, c'est tu devrais lâcher l'humour puis retourner chez Descamps. Ouais, pour vrai, ouais. Il essaie de t'inviter à retourner dans la restauration tranquillement, pas ouais, ouais, Descalmes, mais le pire, c'est que il y a encore ben de mes bros que j'ai travaillé là avec eux. J'aimerais ça retourner faire un shift, mais je veux choisir l'équipe. C'est genre le dream team parfait, là. Oh, ouais. On fait un shift. Hey, ouais. Macho Man Randy Savage, Justy. Non, non, mais tu me dis, ben oui, ok, ouais, c'est ça. Moi, c'est Stone Cold. Michael Myers, Jim Carrey, aux frites. Non, non, mais que ce soit du monde avec qui j'ai déjà travaillé là, ça me tente pas de faire un training. Là. Oh, Mike Tyson. Mike Tyson, blanche tes frites, tabarnak. C'est pas blanche tes frites, puis arrête de zozoter, mon esti, fais mille fois, je te le dis. Ben oui, ils vont oxyder tes patates, esti de crétin. Mon esti, tabarnak. Tu mets du fromage en dessous et au-dessus. Fais deux fois, je te le dis. Fais deux tranches. Hey, ben, oh, cave. Je pense que la poutine du Dickens vient d'être détrônée comme la pire poutine que j'ai mangée de ma vie. Pour elle, hier, j'ai mangé de quoi? C'était le Yo Mama's Burger. Genre... Yo Mama's Burger, c'est quoi, ça? C'est quoi ce nom-là? Yo Mama's Burger. Je sais pas. Yo Mama's Burger. C'est une chaîne. Là. J'ai vu sur leur site qu'il y en avait une couple de restaurants. Puis il y en a un qui est à Sainte-Julie depuis pas longtemps. Où ça? Où est-ce qu'il y avait le AEW avant? C'est en face du Saint-Bar. Okay. En tout cas, peu importe. Là, c'est un local qui a bien des restaurants qui vont se mettre là puis ils font toutes faillite finalement. Fait que, c'est la pire. Belle étude de marché, tabarnak. Ah ouais, dans les 10 dernières années, il y a eu 5 restaurants là. Chris, c'est une bonne place aussi s'ils veulent tout être là. Ouais, ouais, ils ont tout fermé un après l'autre. C'est une gang d'épais. Mais ouais, hey, la poutine, genre, les frites étaient quand même bonnes. C'était des frites un peu style Benny, là, des frites ondulées, genre. Bon, dégueulasse. Là. Le fromage est... le fromage était dégueulasse. Le fromage, first, il n'y en avait quasiment pas. C'était-tu du cheese whiz? Non, mais genre, le fromage avait quasiment tout fondu avec la sauce. Puis la sauce était comme semi-froide. Là, fait que genre... mais... Tu t'es fait livrer ou t'es allé là-bas? Ouais, moi, je suis fait livrer, ouais. Ouais, ben, livrer pour le fromage, une poutine, c'est souvent le même quand même. Là. Ouais, mais tu sais, genre, normalement, ça devrait être moins pire que ça pour elle. Le fromage, tu voyais qu'il était cheap, il était pas frais. Puis la sauce, ça, c'est le clou du spectacle, mon gars. Là. Genre, la poutine n'était pas fraîche. Genre, tu sais, c'était quand même... C'était pas assez froid pour que la sauce refige. Mais genre, il y avait tellement de fucking fécule de maïs ou de gélatine. On dirait qu'il y avait de la gélatine dans la sauce, pour elle. Genre, tu voyais la sauce, je pouvais bouger la fois de même, puis tu voyais le... Genre, tu suivais. Ça avait l'air du jello brun. Ah, ouais. C'est top. Ça, c'est un escape qui a fait ça, l'espèce de mix à sauce à poutine d'une place qui fait pas de poutine, là, que c'est de la poudre, genre, que tu mimes. Puis lui, il a juste pas mesuré. Il avait dit, on va en mettre plus. Au plus, on va être onctueux. C'est comme, on se crise d'épée. Ben ouais, Chris, non, j'aime ça va être onctueux. Tu pognes ta louche, t'as des pots, c'est genre... Ouais. Allez chercher le cheese whiz, on a une poutine. Oh, lisse de tabarnak. Il reste son cheese whiz. Ça va être horrible. Poutine cheese whiz, là. Ouais. Mais non, c'est juste des cuillerées esti aléatoires d'un esti plat. De Chris de Cheese Whiz de merde. Oh, ouais. Ouais, de cœur, hein, ça. Mais ouais, je sais pas si j'en ai parlé. Ah, j'en ai parlé dans l'extra Patreon, je pense. Hein.
Mais Bergam, ils ont un nouveau sandwich. Moi, j'en reviens pas encore. Là. Ça s'appelle The Burgies Mexican. Ingrédient numéro 1, du poulet tandoori. Ben oui. Ben oui, Mexique, Inde, même calice d'affaires, là. Yeah, sont foncés puis bruns un peu. Mais là. Tabarnak! Tu sais, là, le Mexique, là, tu sais, les vaches sacrées, le Taj Mahal, puis essaye de le prononcer comme jalapino, là. La jalapino, lui, passe, c'est Taj Mahal. Non, c'est pas Taj Mahal, c'est Taj Mahal. Le J est muet. Le J est muet en oui. Mexique. Ils mettent le genre de petit, le genre de petite affaire qu'ils mettent, c'est N sur le A. Plus, j'adore Bergam, là, j'aime bien ça. J'aime mieux ouais, M-Star, ouais. Mais Bergam, j'adore ça. Mais j'ai vu ça, c'est comme. Le sandwich a l'air bon en plus, mais c'est comme Chris, appelle-le pas le Mexican. La seule affaire, c'est qu'il y a des jalapenos dedans. Ok. Non, ouais, c'est ben le Chris, appelle-le le poulet tandoori au jalapeno, au pire, là, ou juste le tandoor, mettons. Là, tu peux pas mettre au complet, ça va être un petit peu funky, le tandoor. Ouais. Pourquoi pas l'appeler juste quelque chose indien, est-ce-t-il? Ouais, ouais. D'accord, yes. Il y a des jalapenos, est-ce-tu? Au pire, ils changent des crises de piment, mais un autre piment. Ouais, c'est dedans, ça, ouais, puis... change tes piments. Puis... non, ouais, même au pire, là, prends les piments marinés libanais. La plupart des gens ne le sauront pas, Carlis, que ouais. Ça ne vient pas de la même place. Ah oh, oui, c'est sûr, est-ce-tu? Ah, c'est niaiseux. Tabarnak. C'est quand même cher, il me semble, sur le Bergam pour ce que c'est. Là. Ouais. Puis ils payent mal, est-ce-tu? Ah oui. C'est Carlis, là. On allait y livrer, puis ils ne payaient jamais. Non, c'était pas. Ouais, eux, c'est c'était... vrai qu'il y a des sandwichs qui sont quand même chers. Là. Mais sinon, M-Star, c'était la même chose. Mais qu'est-ce que le monde me dit? C'est bon, je n'allais pas encore au Bergam dans ce temps-là. Mais quand je travaillais au M-Star, tout le monde disait que c'était comme Bergam, mais mieux. Puis c'était moins gras. C'était moins. Tu sais, c'était. Ben, moins gras. Tout revenait à peu près. Non, mais Bergam, c'est quand même gras. Là. J'ai jamais été chez Central Bergam. Oui, on est allé une fois, je pense. On travaillait un vendredi. Ah, à Laval? Oui, c'est vrai, on est allé. Puis M-Star, c'est ça. Mais je pense que le plus cher des sandwichs, me semble que. Ben, tu sais, à un moment donné, il y a une affaire qu'il y avait un sandwich de 5 livres, là, ça, mais ça, c'était plus un stun. Ouais, genre, il y avait des boulettes. Il y avait tout. Là. Je me rappelle pas exactement c'était quoi la recette, là, mais c'était un essai d'affaires. Mais ça avait bien marché comme stun publicitaire. Là. Ouais. Puis, mais je pense que le plus cher, ça revenait comme le trio. C'était peut-être genre 13 ou 14 piastres. Ouais. Puis c'était un gros sandwich quand même. Là. Il y avait genre plein de steak, de bacon dedans. Ah ouais. Il y avait plein de shit. Là. C'est fucking bon. Pour sinon, c'était autour de 10 piastres, là, pas mal. Pour ouais. Un nice trio que t'en as vraiment pour ta faim. Là. Contrairement, mettons, à un ouais. Au McDo. Moi, j'encourage tout le monde à aller encourager cette entreprise-là. Là, pour elle. En plus, le boss Sébastien était vraiment fin. Pour elle, c'était... Ouais. Ah ouais, ça, c'est le big, ouais. Le big chief. Là. Ouais, je sais ouais. Pas, il y a encore celui de Côte des Neiges qui est ouvert. Je sais pas si les autres ils ont l'air de quoi. T'sais, moi, celui que j'étais, il a fait faillite. T'sais, techniquement, c'est ma dernière vraie job avant que je fasse de l'humour à temps plein. Ouais. Mais j'aimais ça travailler là. C'était vraiment hot. J'étais bien payé quand même. Puis, il y avait du gros gangster rap qui jouait français pendant que tu travaillais. Ben, je pouvais, c'était moi qui choisissais la musique. Ah ouais? Moi, je savais juste celui sur Côte des Neiges. Ah, oh, c'est pareil, il y en avait eu un à Ville-Saint-Laurent aussi qu'on a ouais, sauvé un peu, il mais était sur des caries. Ouais, moi, j'étais celui sur Saint-Denis. Saint-Denis. Il était quand même hot. Là. Je pense que ça a fait peut-être parce qu'à un moment donné, tout le staff, on a perdu tous ceux qui étaient bons. Parce que je peux comprendre. Moi, j'étais là à temps partiel, pas si souvent. Ouais. Puis, toutes les autres, il y avait d'autres choses à faire aussi. Là, ils étaient aux études, tout ça. Fait qu'on a perdu plein de monde avant un des rushs de l'été. Puis, je me rappelle, je travaillais avec un dude, Chris, qui était pas bon. Là. Je comprenais même pas comment il faisait pour faire autant d'erreurs. En peu de temps. Là. Oh, ouais. Comme... J'étais comme, voyons, on triste. À un moment donné, je faisais juste. Non, excuse. Vas-y, non, vas-y. Non, je suis en train de nous troller, tabarnak. Non, c'est ça. Non, mais Chris, j'étais comme, voyons, c'est pas compliqué. Là. On veut un sandwich. Là. C'est pas... oh. Après, à un moment donné, je me rappelle, je l'ai juste crissé aux frites. J'étais comme, là, c'est pas compliqué. Oh, ouais. Crisse ça là. À peu près une minute ou un peu plus. Ah ouais. Sors-les. Eh bien, check la couleur, là, puis m'a collé les portions que je veux, OK? Et là, deux frites. deux frites.
Okay. C'est pas le bon format! Mais non, pas deux frites, deux portions de frites à 6 caves. deux frites de plus sur quelle portion de frites? Oh, ils t'en servent, elles sont même pas cuites, sont encore gelées. C'est genre, mais non, qu'est-ce que c'est? Tu mets dans la friteuse? Ben non. Ouais, je les ai trempées. Ah, tabarnak. Je pensais que c'était comme la fondue chinoise, tu sais, tu fais juste le tremper. Ouais, c'est ça, c'est juste une vieille frite. Même pas croustillante, juste huileuse et chaude mais froide. Ah oh, oui. Ça serait dégueulasse. Ah, oh, tabarnak. Mais ah, je reviens deux secondes, j'allais me pogner une autre bière. Ouais, parce que ben vas-y, mon beau esti. Ce serait quoi, toi, la pire poutine que t'aurais mangé de ta vie? Pas le droit de dire des pire poutine. La pire poutine, pour moi, c'est n'importe quelle poutine qui mette du fromage râpé. Ah oh ouais. Puis au lac Saint-Jean, là, ça avait l'air d'être la mode où est-ce que je travaillais, en tout cas. C'était que des poutines avec des fromages râpés. Puis ça me mettait en tabarnak. Asti que c'est dégueulasse. Ah oh ouais, c'est pas bon. Ça, c'est comme un chili cheese fries, là. Ouais. Ça devient un chili cheese fries, mais genre avec du gravy, genre. Puis c'est dégueulasse. Je trouve asti que c'est pas bon. Ah oh ouais, c'est. C'est des asti frites sauce gratinées. J'aime pas ça. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça, c'est la pire. En plus, ça fait comme des frites d'une toute molle, c'ti, parce que genre. Ouais, souvent, ils font gratiner, en plus, là, ces astuces d'affaires-là. Ouais. Ouais. Ouais, ça? Des poutines avec du fromage râpé. Là. Ah, ouais, ça, c'est. C'est cave, c'ti. C'est cave. Mais je pense que le seul avantage que je peux voir, c'est qu'avoir le squick. Si t'es pas une place à poutine, c'est qu'avoir le squick frais, puis bon. C'est plus tough. Là. Souvent, le monde va le mettre au frigidaire parce que sinon, ça se fait pas. Ouais. Puis une fois au frigidaire, le squick squick est comme moins nice. Hein. Que je pense ouais. que ce serait bon à racheter dans une poutine. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas rapport, j'ai juste eu le flash. Mais genre des choux de Bruxelles, genre des choux de Bruxelles frits qui deviendraient croustillants, genre, pas enrobés ouais. de quoi que ce soit, genre. Mais genre quelque chose qui serait croustillant, genre dedans, juste projeter du croustillant, ce serait bon. Salé un peu, genre, puis assaisonné. Peut-être que tu pognes les feuilles, mettons, genre plus. Ouais, genre plus ça que je veux dire. Hein, ouais, que, genre juste plus... littéralement mettre un gros chou dans. Ouais. Je le couperais. Une aubergine. Pas si. En ouais, plein milieu de la poutine. Ouais, faudrait essayer. Tu sais, parce que ça peut devenir quand même croustillant, là, un chou de Bruxelles, dépendamment comment tu le fais. Mais j'imagine que dans une friteuse, ça peut devenir quand même ouais. intéressant, là, comme des oignons frits. Là, tu sais, quand tu. Ouais, comme si, là, mettons, tu mettais des. Ouais, mettons, ouais, je comprends. Là, tu mets juste une coupe de feuilles sur le top pour ajouter. Ouais, genre, ça fait pas partie entièrement de la poutine. C'est juste comme sur le dessus, ça met un croustillant. Je comprends genre. Un peu comme si tu mettais de l'oignon vert sur le top de quelque chose, mettons. Genre. Okay. Ouais, un peu ouais, dans ouais, ce genre. De même, ça pourrait peut-être être intéressant. Ouais. Juste pour, comme, rajouter de la texture. Genre. Anyway. Mm. OK. Un show de cuisine! Puis on a nos lumières de Noël en plus, là, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Nous autres, c'est Noël à l'année. Je pensais que c'était une couronne mortuaire, puis que genre quelqu'un proche de vous autres était mort. Ouais, c'est ça, ben ouais, le podcast. Jasmine est morte. Ouais, ouais. Putain, là, j'ai des. Ah. Ouais. On va pouvoir voir du. C'était quoi ton idée, Phil? Hey, check ça, capable de débrancher le logo. Ouais, okay. Ben, de même, pas de lumière, c'est une couronne mortuaire. Ah, okay. Puis là, joyeux Noël! Oh. On n'est pas loin jamais hein, de la mort. C'est toujours proche. C'est vrai, on ne le sait même jamais quand ça arrive. Ça. Hey, comment ça a été? C'est quoi le nom? J'allais dire l'Anneuse Live, mais ce n'est pas l'Anneuse Live. Là. On j'ai fait comme un des blanc. Jokes. On fait des jokes. Parce que moi, je n'étais pas là live. J'ai réécouté une partie hier matin. Je n'ai pas tout écouté encore, mais je vais l'écouter très certainement. Très mal. Super. C'était de la merde. Hein? J'ai pleuré. C'est émouvant. Vous aviez non, des beaux invités? Honnêtement, c'était cool. Au début, je me suis trouvé vrai. Ça paraît zéro. Au début, on m'a dit que ça paraissait pas. Je l'ai réécouté, puis effectivement, ça paraît pas. Mais au début, moi, j'étais totalement off. J'étais vraiment fatigué. Mais je faisais le Chilling Podcast la veille à l'Abreuvoir, puis on l'a comme échappé un peu après. Fait que moi, j'ai comme calé un Red Bull avant. Là, j'étais comme, OK, là, Chris, allume-toi, STGF, j'avais mes jokes. Puis je voyais que, mettons, les jokes, tout ça, ça allait, mais j'avais pas la même rapidité de répartie que d'habitude. Là. Ça m'a comme pris comme un peu, là.
Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, all right, je vais juste encaisser. Moi, je te voyais encaisser, puis j'étais comme, comment, GF, tabarnak, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, Jack. Mais non, j'étais juste off. J'étais comme, OK, là, ça va juste être ça, mon rôle. Ouais. Je vais focusser sur faire le show. Puis, 20 minutes, je me réveille un peu plus. Mais même encore là, j'étais comme, OK, là, texte mes affaires là. Mais grosso modo, ça a été un bon show. Le monde a bien aimé ça. J'ai eu beaucoup de bons commentaires. That's it. Puis c'est tout le temps le fun à faire. On n'en fait pas beaucoup. C'est pour ça que je trouve ça cap d'avoir été un peu off au début. Mais ça paraît pas tant. Non. T'sais, là, moi, je le dis. Ça paraît pas. Là, vu qu'on est beaucoup, fait que ça, la balle se passe vite. Là, ça reste quand même ultra rythmé. Fait que ça. Ouais. Bon, mais moi, je le sais que. Mais même quand je me suis réécouté hier, c'est le premier que je réécoutais de Liner's Life. Puis j'étais comme, ah non, j'ai l'air chill. Ben ouais. Mais je me check, puis je suis comme, ah ouais, là dans ta tête, tu capotes. T'es comme Chris. Ah ouais, Limestar. Ah, y a rien qui vient. Bon. Ça va être rien, sinon ça va être de la colisse de marbre, puis ça va être humiliant. Ouais, non, c'est ça. Fait que je... Ah ouais, non, je te file. Mais moi, je voulais que mon hamster tourne dans ma tête, puis le hamster rotait, là, puis pas mal. T'as combien de temps pour écrire les gags? Parce que là, t'as des liners avec des sujets proposés. Au total, tu sais, ça a peut-être été un 2 semaines de préparation. Parce que moi puis Julien, on a fait les jeux avant, tu sais, de booker tout le monde. Hein. Ouais. Puis après ça, on demande des sujets de notre côté, chacun de notre bord, on en reçoit. On n'a pas fait de tri finalement, mais tu sais, il y en a qui sont filtrés, veux pas, parce qu'on n'exploite pas nécessairement, mais ils étaient tout le temps, ils ont tous été là pour tout le monde. Puis. Après ça, c'est le lundi, on a un meeting avec ceux qu'on a bookés. Puis là, c'était le vendredi. Fait qu'on avait comme 4 jours, mettons, pour écrire selon les jeux qu'on s'était tous fait. C'est un beau show. Moi, j'ai trouvé ça bon. En tout cas, comme je te dis, j'ai regardé à peu près 20-25 minutes à peu près hier. Mais une année, je trouvais ça plate, fait que j'ai arrêté. Mais au début, c'était fort. Maintenant, c'est sûr qu'on se tente, mais au début, c'était que non, c'est juste une question de timing. Je ne pouvais pas l'écouter au complet, mais je vais l'écouter au complet, ça c'est clair. Ouais. J'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment bon. Mais ouais, le lien, il est non répertorié, fait que je peux le mettre sur le groupe. Parce que j'ai juste le lien Facebook, parce que j'ai essayé de le trouver sur YouTube, ça ne marchait pas. Ouais, mais c'est difficile à trouver quand même. Avec le lien Facebook que tu avais envoyé, je pense que ce que j'avais marqué que je participais à l'événement. Ben, je vous l'ai envoyé à vous autres. Là. Vous autres, il est là dans On se barre le casse. Il est valide encore. C'est juste que c'est un lien non répertorié. Ouais. Mais dans notre conversation, là, c'est juste que tu cherches de même. Sinon, il est encore là. Mais c'est juste on ne veut pas que ce soit trop facile à trouver. Ouais, je comprends. Je voulais pas avoir de merde. Ouais, c'est ça. Tu sais, on le fait dans le but. Tu sais, GHB, c'est tout le temps dans le but de le faire all-in, d'être vraiment déplacé. Il y avait des gags pas too soon, puis violent. Puis quand c'est fait sur scène, ça se fait tout seul, ça, parce que tu achètes des billets que tu te présentes là. Mais gratuit sur le web, c'est facile de tomber là-dessus, puis sortir un extrait, puis qu'on a l'air d'être juste des trous de cul. Là. Non, je comprends. Pour que tu tombes là, faut que tu te donnes quand même la peine de vouloir trouver ça. Ouais. Genre, il y a moyen de le trouver là, si tu te forces assez. Ouais, je comprends. Ça reach même... pareil, genre? Ben, c'est clair, ça nous coupe du monde, mais tu sais, là, je pense que au total, je pense que quand j'ai checké, je pense qu'il y a eu. Je pense que dans le live, il y avait comme à peu près 100 personnes qui l'ont checké. Ah, ok, c'est quand même pas mal. Peut-être pas nécessairement en même temps, là, mais. Qui l'ont starté à un moment. Ouais, parfait. Dans la soirée, puis je sais qu'il y a du monde qui l'écoutait en groupe aussi. OK. Ah, nice. Ah, c'est cool, ça. J'avoue, pour de quoi qui n'est pas public, c'est bon. Ouais. Puis un vendredi soir, j'étais comme Chris, je veux fighter le vendredi soir comme si j'étais de la télé, dans le fait, parce que c'était du direct, je veux pas. Ouais. Même si ça reste là après. Puis il y en a plein qui m'écrivaient qu'ils l'écoutaient genre ensemble et tout ça. Ça, je trouve ça nice. Ouais, c'est comme créer un rendez-vous via l'écran. C'est le fun à écrire aussi. Hein. C'est clair que moi, mon truc, c'est vraiment plus le stand-up sur scène. Mais ça, j'aime l'exercice aussi là, de ne pas pouvoir tant. C'est vraiment c'est plus les gags. Oui, tu joues un peu parce que tu as la caméra, mais c'est pas là, comme la même game, on dirait. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui est considéré prime time en télévision. Je pense que le genre
dimanche à 8-9 heures, puis le lundi vers 8-9 heures aussi. Je pense que c'est vraiment les spots en télévision, en tout cas, où est-ce qu'il attire le plus de monde. C'est comme ben vraiment les prime time. Là. Au minimum, au Québec, le gros spot, c'est comme tu dis, le dimanche soir. Ouais, bien sûrement que tout le monde en parle, puis tout ça. Là. Ça c'est ouais, ça, ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Ou même le lundi en particulier, je sais que. Mais c'est n'importe quand le monde est plus à la maison. Là. C'est vrai que le vendredi, le monde ne check pas tant la télé. Un peu moins. Vendredi soir, j'étais comme. Ça va comme. Puis on a oublié de l'expliquer, mon. C'était pas un drinking game, mais pour le public. Oh ouais. Je ne sais pas si Julien a pensé à l'envoyer dans le chat. Moi, je ne savais pas. Il n'y a personne qui est au courant. Le gars s'est fendu le cul à penser à de quoi, mais personne. C'est genre 3 ou 5 règlements qu'on a brainstormé vite fait. Là, de genre, donc, quand moi, je me fâche, quand Julien fuck le jeu ou oublie quelqu'un. Tu ne te fâches pas souvent, par exemple. Non. Pas quelqu'un qui se fâche bien, ben, je trouve. Je suis pas très fâché. C'est correct. Je peux avoir l'air fâché. Des fois, quand j'écris une blague, ça peut être une blague fâchée ou je peux envoyer chier du monde. Ouais. J'ai vraiment vu comme je parle mad. Là. Vraiment en tabarnak. Je t'ai jamais vu de même. Ça va arriver des fois contre des affaires. Comme le resto City Pizza, la grosse tabarnak de marde. Ah ouais? J'ai commandé là il y a 2 ans. Je suis encore fâché de ça. C'est la pire crise de City de marde. Ma pizza est arrivée et était décalissée. Genre. C'était genre la garniture avec Chris et le gum. J'avais commandé aussi un pain magique. C'était pas du... Tu sais, le pain magique, l'espèce de pain un peu gratiné à l'air. Ouais, hein. Ouais. Puis c'était pas ça partout. C'était arrivé dans une grosse tabarnak de bois. Même pas de fromage. C'était même pas comme les sifos. Pas de fromage? Mais non, c'était de la merde. En fait, non, on mettra pas de fromage. Ça coûte trop cher. Un Chris de gros pain, c'est gros comme une pizza extra large, sec. C'est super le fun. D'autres affaires, c'est la bouffe puait, genre, ça sentait pas bon, genre. Oh, pas le moisi, mais ça sentait, genre, la transpiration. Ouais, ben, c'est ça, c'est genre le pain. La bouffe sent le swing, il y a quelque chose de pas bon dedans. Je l'ai juste comme. On l'a juste pas mangé. Ça a été l'une des rares fois que j'ai vu ça. J'étais comme, je veux même pas me faire remplacer, je veux pas porter plainte. J'ai crissé ça au vidange en tabarnak. T'es-tu sérieux? J'animais GHB, j'ai chié sur eux autres dans GHB. T'as bien fait. J'ai fait le contraire, je veux pas de commanditaire à GHB, mais je vais faire quelque chose que peu de gens font. Je vous déconseille une place. J'ai roasté l'établissement au complet. Puis je suis encore en train de chier dessus aujourd'hui, mais c'était horrible. Là. Genre, tu fais pas ça à quelqu'un qui sait c'est quoi manger. Ah ouais, man. Ben, justement, la place, j'ai commandé hier, j'avais le goût d'aller laisser un review sur TripAdvisor. Genre, j'étais comme, j'essaie de me builder de couche, comme, je serais malade. Genre, tu sais, je fais écrire comme moi. By the way, j'ai été violé quand j'étais jeune, puis j'en garde un meilleur souvenir que votre poutine. Tabarnak, c'est ça, c'est drôle. Genre, une pluie de plein de messages de même. Genre, entre ça, puis genre, se faire enculer de force, je pense que je vais prendre les traumatismes. Ah, ouais. C'est dégueulasse. Ouais. J'aimerais mieux faire une indigestion pour que ça ait goûté bon que manger votre affaire puis filer bien après. Hey, en plus, ça a quand même coûté cher. Là. On a commandé deux burgers avec une rondelle, une poutine. Puis genre, ça venait avec un Pepsi en canette, genre. Ça a coûté 47$, c'est sick, le type. Tabarnak. C'est genre... Calisse. Non, man. Ah, puis avec toutes les DoorDash, puis tout ça coûte cher. Hein, ça, c'est dangereux. Parce que, à un moment donné, tu t'habitues aussi un petit peu à, genre, tout l'éventail de shit que tu peux avoir, que tu peux pas avoir normalement, tu sais. Ouais. Et j'avoue que c'est tentant de ce sens-là, parce que tu peux vraiment manger tout ce que tu veux. Mais ça coûte fucking cher. Oui. Ouais, c'est 50$ tabarnak avoir 2 Pokéballs. Ouais, c'est sûr. Ou c'est bien, ça. Peut-être pas. Ouais, quelque chose de pas cher va coûter 20$, mettons. Ouais. Tu te ferais livrer un café, va te coûter 15$. Genre, parce que tu vas avoir comme les frais de livraison, les frais de service, puis le type. Genre, fait que tu vas te rajouter genre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme si personne n'était au courant, là, mais genre, tu rajoutes quasiment 10-15$. La nouvelle affaire, là. Skip DoorCash. Moi, je connaissais ça. Non, tu l'expliquais à la plèbe, tu te dis tout haut ce que le monde pense tout bas. Uber, c'est comme des taxis. Sauf Uber Eats, là, c'est comme un taxi qui t'amène ta bouffe. Tu payes le prix du taxi pour avoir ta bouffe. Ouais, un taxi qui livre. Qui risque que c'est bien pensé. Ouais. J'aime ça. Ouais.
J'adore ça. Ah, ben, je pense qu'on peut finir l'épisode là. Puis si vous voulez, on peut faire un extra Patreon après. Absolument, absolument. Ouais, ben, oui. Ben, oui. Je suis partant. Ben, ouais. D'ailleurs, parlant de Patreon, je vais nommer nos Patreons. On a un nouveau. C'est qui? Ben, tu le connais, c'est M. Stéphane Bisson-Roy. Qui est Stéphane Bisson-Roy, notre cousin. Ben oui. Ben voyons c'est donc. C'est votre cousin, ça. Ben, c'est notre cousin. Côté de la mère ou du père? Côté maternel. Oh, côté maternel, ben, on aime bien Stéphane. Il est sexy. Oh, il est beau en hein, Christ. T'es un esti de beau gars, ce gars-là. Là. Ben, ouais, on les a ici. On les a ici. On les a ici, ben, je vais les dire comme ça d'abord. OK, ben premièrement, on a Stéphane Bisson-Roy. Merci, mon Steph. C'est vraiment bon gentil de nous aider comme ça. Merci aussi à Nesta Hull, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Faf. On a Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Pierre-Luc Paquet et Nathaniel Soulard-Lesage. Merci à tout le monde de donner de l'argent. C'est vraiment, vraiment gentil. Bon. Puis, nous autres, ça nous aide dans notre projet. Puis là, en ce moment, c'est sûr qu'on est dans la période Zoom du podcast avec tout ce qui se passe en ce moment. Moi et Marco, là, on est ensemble parce qu'on travaille ensemble normalement, mais on essaye d'avoir une dynamique un petit peu plus intéressante pour vous autres, quitte à perdre notre vie. Hein? On met ça en jeu, nous autres, pour vous autres, Asti. Oui. Lui, il est tous depuis tantôt, Calis, mais je suis là. Puis juste pour vous autres. C'est vrai, c'est... Mais surtout... On a boissé hier, j'ai dormi 6 heures. On est là pareil, tabarnak. Absolument. Puis pendant la période Zoom, ben, on fait un petit extra pour les Patreons qui payent à tous les mois pour nous aider. On fait le casse-beurré, hein? le segment asti, après le podcast normal. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? On close ça, mais on va fumer une smoke, asti. Puis après ça, on repart une demi-heure. Puis ça, c'est pour les gens qui payent à partir d'une pièce. T'as ça, là, 30 minutes de plus gratis dans tes poches. Une pièce par mois, Chris. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Bien, t'as 30 minutes dans tes poches de contenu de plus. C'est hein? Vrai, ça. Bon, calice. Arrêtez de faire vos hosties de pauvres. Bonne good semaine. Bye. Vietnam. Oh.